Bien. Nous avons le quorum, donc on va pouvoir démarrer. Mais avant, je vais laisser dire un petit mot d'accueil à Madame le maire de Jacob-Bellecombette, puisqu'on est sur le territoire de Jacob-Bellecombette. C'est au campus universitaire de Jacob. Donc, Brigitte, si tu veux bien, un petit mot d'accueil. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tous bien installés. Donc, donc simplement pour vous dire que c'est vrai que Jacob-Bellecombette ou le campus commune, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Je pourrais dire qu'il y en a une qui a peut-être mieux vieilli que l'autre, étant donné que notre campus, je voudrais simplement vous rappeler qu'il a été inauguré en 1969, donc ça va faire plus de 50 ans. Et depuis 50 ans, ce campus n'a eu aucune rénovation, donc hormis la halle des sports et puis suite à l'incendie qui s'était déroulé en 2008, donc le lieu de vie étudiante avait été refait. Donc cette année, c'est quand même la bonne nouvelle, puisqu'on va attaquer avec la bibliothèque universitaire. Donc c'est toute une rénovation complète, puisque c'est devenu une vraie passoire thermique. Et puis bien, quand je vous dis campus commune d'un côté, c'est 4100 habitants, et le campus, c'est plus de pratiquement 6000 étudiants. Donc vous voyez, dans la journée, ça brasse pas mal, ça fait presque 10 000 personnes. Donc il est vrai que c'est à côté de Chambéry, c'est un atout supplémentaire. Donc pour les étudiants qui logent aussi bien à Chambéry, mais qui logent aussi sur Jacob, ils sont à côté de la ville-centre. On a développé donc le transport bus. On s'est donné aussi comme cible principale de sécuriser nos piétons. Donc on a quand même pas mal d'étudiants qui vont à pied, qui rejoignent le centre-ville. Et donc, c'est des trottoirs, c'est pour les sécuriser, c'est aussi des pistes cyclables. Et puis, on utilise aussi, entre guillemets, nos étudiants pour la cantine scolaire, pour tout ce qui est un petit peu en rapport avec les enfants. Donc, il y a une vraie complicité. Et puis, ça coûte un peu d'argent, mais c'est un atout supplémentaire et qu'on apprécie tous. Donc, et on est vraiment ravis ce soir de vous accueillir. Vous pouvez voir que c'est vrai que les sièges ne sont peut-être pas très confortables. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse une belle rénovation pour éviter quand même. Mais je vous garantis que vous n'aurez pas d'escarres. Ça, c'est une certitude. Merci. Merci de nous accueillir donc, sur ce campus. Et puis symboliquement, pourquoi ici ? Symboliquement, parce qu'on ce soir, on vote le budget. Et dans notre budget, eh bien, il y a l'engagement des sommes importantes sur lesquelles on va s'engager pour participer à cette rénovation de ce campus. Voilà, je pense. Et puis un petit peu d'émotion, je pense, pour certains qui ont vécu, qui ont été étudiants ici. Moi, j'y suis passé une année, puis après, j'ai démarré sur Technolac. Par la suite, à l'ouverture de Technolac. Et puis quand je vois à l'entrée donc, le bâtiment de la vie scolaire qui est au nom de Jacques Rebec. Jacques Rebec, c'est un professeur que j'ai eu, professeur de biologie animale, éminemment reconnu comme spécialiste en parasitologie. Et je le revois faire dans les amphis des cours magistraux et des œuvres d'art à la craie avec les triples tableaux. Sur des coupes, aussi bien en biologie animale qu'en parasitologie, qu'en embryologie. C'était un vrai bonheur. Enfin, voilà, moi, je me revois passionné à boire ces paroles-là et ces cours. Voilà, donc un petit peu d'émotion à me retrouver sur ce campus. Voilà, bon, donc on va démarrer notre conseil communautaire. D'abord, redire en début de séance, ben oui, le quorum est bien atteint. Les pouvoirs, alors, je vais les lire, on a un certain nombre. Alain Caraco qui donne pouvoir à Marie Bénévise, Thierry Tournier à Christian Berthomier, Michel Dien à Brigitte Beauchaton, Christelle Blambert à Brigitte Beauchaton, Jean-François Bécu à Michel Camoz, Philippe Ferrari à Jean-Pierre Fressos, Laïla Karoui à Aloïs Chassot, Hélène Jacquemin à moi-même, Marie Perrier à moi-même, Grégory Bazin à Alexandre Gennaro, Gaëtan Pochet à Aurélie Lemeur, Stéphane Bochet à Jean-Marc Léoutre, Vincent Boulnois à Jean-Marc Léoutre, Alain Gaget à Pascal Mithieu,
Emilio Plagiaz à Franck Mora, Sophie Bourgade à Martin Noblecourt, Luc Berthoud à Daniel Rochex, Martine Lambert à Alain Tchefna, Hervé Ferrou-Platet à Serge Tichkevich, Dominique Poma à Corinne Wolf, Marcel Ferrari à Jacques Herriot, est représenté, pardon, qui est son suppléant de Marcel Ferrari, c'est Jacques Henriot, pardon, et sont excusés Maryse Fabre et Thierry Repentin. Voilà. Je désigne le Benjamin de l'Assemblée comme secrétaire de séance, toujours Arthur Boisneveu. Merci d'avance. Je dois également vous faire approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 17 mars 2022. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de correction sur ce procès-verbal? Non. Donc je le soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Il est approuvé en l'état. Voilà. Eh bien, on va commencer notre ordre du jour par la lecture des examens des rapports simplifiés. Le rapport numéro 1, modification numéro 3 du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement, définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable. Le 2, versement d'une subvention à la commune d'Aillon-le-Jeune dans le cadre de l'étude sur la création du lotissement de la Manse. Le 3, conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement remplaçant du représentant de la commune des Déserts. Le 4, approbation de l'avenant numéro 3 au procès verbal de mise à disposition de biens relatifs au parc d'activité de Côte-Rousse avec la ville de Chambéry. Le 5, approbation de l'avenant numéro 3 au procès verbal de mise à disposition de biens avec Chambéry Grand Lac Économie. Le 6, contrat de relance du logement, aide financière à la production de logements. Le 7, convention d'application 2022 de la délégation de la compétence GEMAPI entre le Cisalbe et Grand Chambéry. Le 8, Grand Chambéry concerne Grand Chambéry Alpes Tourisme, approbation du budget primitif 2022. Voilà pour les rapports simplifiés, donc ces 8 rapports simplifiés. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'ouverture de ces dossiers? Oui, une question. Si vous voulez bien vous descendre, on a 2 micros. S'il vous plaît. Oui, les micros, c'est aussi pour ceux qui sont en visio, pour bien entendre. C'est vrai qu'on est dans un amphi, normalement, on doit entendre sans micro, mais... C'est bon, là ? Ouais. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. J'ai une question sur le rapport numéro 6, qui concerne l'aide financière pour bâtir, qui est normalement destinée aux maires bâtisseurs. Et là, on nous indique que finalement, ces sommes seront versées directement à l'agglo. Alors pour moi, je suis troublée par cette délibération qui a fait l'objet de décisions en municipalité, en conseil municipal, de décisions à l'agglo, en conseil communautaire. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on nous dit que ce dispositif, il évolue, mais pas nécessairement dans le sens de la construction, de l'ambition des maires bâtisseurs. Oui, merci. Vous ne comprenez pas, moi non plus. Et surtout, attendez, excusez-moi. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on est obligé de voter pour cette délibération si on n'est vraiment pas d'accord avec la méthode? Il n'y a pas de difficulté pour discuter avec l'agglo sur la répartition de cette aide, il n'y a aucun doute. Mais la méthode, elle est un petit peu... elle me trouble. Voilà. Je tenais à vous en faire part, puisque nous, après, derrière... On aura certainement une décision à prendre en conseil municipal et il faut qu'on s'explique. Ouais, vous faites bien. Je l'ai évoqué à la dernière conférence des maires. Donc c'est l'État. C'est l'État qui nous impose. En tout cas, on l'a appris d'abord dans un premier temps tel que ça avait été présenté, tel qu'on l'a délibéré. Effectivement, cette aide qui devait aller aux communes et revirement de situation, on a reçu de la part de l'État cela. Donc oui, il faut la délibérer pour ne pas... laisser passer ces aides. Par contre, il est bien l'engagement que l'on prend ce soir, il est important. Grand Chambéry va jouer le jeu, puisque dans cette délibération, vous le voyez,
Donc il est bien écrit, cette évolution du dispositif conduit à la signature du contrat de relance du logement entre Grand Chambéry et l'État. Ce contrat sera doublé ultérieurement d'une convention entre Grand Chambéry et les communes éligibles portant sur les modalités de répartition financière de cette dotation. Donc on va ensuite, entre nous, définir les modalités de répartition financière et les conditions de reversement et le mécanisme de redéploiement de cette aide. Voilà. On ne va pas profiter de cette aubaine, enfin, en tant que président de Grand Chambéry, de dire, bon, bah, du coup, tant mieux, on touche l'argent et on va le garder, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait un accord au préalable et évidemment, on est tous... ce budget était à l'origine destiné aux communes. Voilà. Mais il faut qu'on applique quand même la décision de l'État et on a tout intérêt à quand même voter cette délibération et confirmer que oui, on veut bien cette aide de l'État. Sinon, on n'a pas d'autre choix. Mais j'avoue que c'est difficile à comprendre. Et c'est pas une demande de Grand Chambéry. Hein, je vous promets que j'ai pas agi dans ce sens-là pour dire de récupérer la somme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit voté à part, ce rapport numéro 6? C'est votre souhait ou... Moi, ça me dérange... Enfin, voilà, on va... OK, on va pas compter... On peut le voter à part, hein? OK, on le votera à part. D'accord. Oui, si ça part. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur d'autres rapports simplifiés? D'interrogation? OK. Alors, je vais mettre au vote donc du rapport 1 au 8, non inclus le 6. On exclut le 6 pour l'instant, du 1 au 8. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Du 1 au 8, hein. Je ne parle pas du 6, hein. Oui, on le vote à part. Du 1 au 8 sans le 6. Non. Et des abstentions? Non plus. Ensuite, pour le rapport numéro 6, contrat de relance du logement, aide financière à la production de logements. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition. Des abstentions? Pas d'abstention. Très bien, je vous remercie. Ensuite, on passe au rapport 9, qui est le rapport sur la situation en matière de développement durable. Sur l'année 2021, qui est une sorte de rapport d'activité sur ce qui concerne le développement durable. C'est la vice-présidente Aurélie Lemeur qui va nous faire cette présentation. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est en partie, en fait, sur des données aussi 2020, en fait, parce que le rapport développement durable, tel qu'il vous est présenté dans la trentaine de pages... qui le compose rassemble en fait le bilan annuel du PCAET qui fait l'objet d'un suivi, le bilan annuel de la démarche Citergie avec sa nouvelle appellation maintenant transition écologique, et puis il inclut un nouveau rapport qui est le BGES, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, dont on a déjà parlé ici, qui était une obligation avec un rapport complémentaire à faire, et donc il est inclus. Donc ce soir, moi, je vais avoir une petite présentation support qui vous extrait les données principales. Le rapport est très fourni, il y a beaucoup de données, on pourra en discuter juste après. Je ne sais pas en fait où je dois regarder pour que la caméra... C'est où? C'est là? C'est là. OK. Et je veux bien la présentation, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça a été... Voilà. Je vais commencer rapidement. Oui, peut-être pour dire que déjà ce rapport, il devait être présenté lors du dernier conseil communautaire, qu'on avait eu un échange effectivement, car c'est un rapport à un état des lieux qui doit être voté en même temps que le budget, et après discussion avec le président pour les années à venir, on le présentera bien en amont également du débat d'orientation budgétaire. Car dans les informations qu'il contient, il est là pour éclairer la situation et pour qu'on puisse, en connaissance de cause, aborder les questions de budget et de décision. Donc, merci.
Merci pour la présentation. Donc un petit rappel sur les questions de PCAET, Citergie qui devient transition écologique, et puis le rappel de nos objectifs PCAET à 2025, mais je ne vous les redonne pas parce que je vous en ai déjà tellement parlé que vous les connaissez par cœur. Alors sur les axes PCAET, et le premier concernant les mobilités, donc sur l'analyse 2020, les éléments significatifs que je souhaitais vous partager, c'est tout d'abord l'augmentation de la fréquentation des pistes cyclables. Donc c'est aussi un rapport qui intervient dans un contexte de crise sanitaire, et l'augmentation des pistes cyclables et du développement à vélo s'est vue sur l'ensemble de nos territoires. C'est également la distribution de 800 chèques d'aide à l'acquisition de VAE, qui ont permis d'éviter l'émission de 345 tonnes de CO2. C'est l'évolution des mobilités en lien avec les nouveaux comportements d'après-crise. Et on note également que cet essor du déplacement à vélo nécessite d'anticiper les moyens à réserver pour accompagner au mieux ces changements de comportement en termes de mobilité, bien évidemment sur la question des aménagements notamment. Ensuite, sur l'axe 2 du PCAET, sur le bâti performant, sain et agréable, ce qu'on peut retenir, c'est que la mise en œuvre couplée du PLUI HD avec le dispositif Mon Pass Rénov est un levier d'incitation important pour engager des rénovations globales des logements et atteindre des niveaux de performance plus élevés. On fait le bilan de 235 logements locatifs aidés. Ça reste un niveau qui ne permet pas d'atteindre nos objectifs de massification sur le territoire. Et puis, il y a la poursuite de l'opération de remplacement des foyers peu performants avec l'opération Balance ton poêle, avec un 122 appareils de chauffage au bois remplacés. Et donc une économie effectivement sur les émissions de particules 10 et de 5 sur le territoire pour améliorer la qualité de l'air. Sur les axes 3 et 4, la végétation au service de l'adaptation au changement climatique et la valorisation des richesses du territoire, ce que nous pouvons retenir, c'est la fréquentation accrue de nos espaces agricoles et naturels qu'il convient d'accompagner. Et des actions sont déjà lancées, que ce soit en termes de mobilité ou de cohabitation des usages, mais ils devront se poursuivre pour minimiser l'impact de la surfréquentation de ces espaces naturels sensibles. On a également accéléré la réflexion autour de la diversification des activités vers un tourisme plus durable, notamment au niveau des stations de ski, et un renforcement de l'action sur les circuits courts et la recherche de solutions pour limiter le gaspillage. Sur l'axe 5, sur le doublement de la production d'énergie renouvelable, donc là, nous pouvons constater que la production a peu évolué, que les filières solaires thermiques et photovoltaïques ainsi que la méthanisation sont toujours très loin de leur potentiel et que c'est sur ces axes que nous devrons avoir un engagement fort et qu'il y a néanmoins des installations prévues qui mobilisent de la géothermie, notamment par un contrat piloté par Grand Chambéry qui fera l'objet d'une délibération ultérieure autour du contrat de chaleur renouvelable. Sur ce bilan, on cherche également à évaluer les co-bénéfices induits par ces différentes mesures. Sur l'axe économique, on peut voir que l'activité de Grand Chambéry, dans les engagements que nous avons pris, a permis de soutenir l'activité économique de vélocistes et des distributeurs de poêles à bois.
Nous avons eu les résultats d'une étude sur la valorisation des déchets des activités viticoles qui, lorsque ces déchets sont brûlés, ont un impact très néfaste, 1000 fois supérieur sur l'émission de particules et donc un impact très négatif sur la qualité de l'air. Et donc nous avons ouvert en partenariat avec Editem des solutions sur la valorisation de ces déchets grâce au programme Vitivalo. Et puis avec les opérations de rénovation thermique du bâti, un soutien également aux différentes filières locales de matériaux, notamment biosourcés, ainsi que de l'activité artisanale en termes d'activité énergétique. Les co-bénéfices dans le domaine de du social et de la santé sont également multiples à noter. L'offre d'un vélobule à l'établissement français du sang pour mobiliser plus de donneurs. Le dispositif MobiJob qui permet d'accompagner les publics éloignés de l'emploi. Le test de VAE adapté aux personnes à mobilité réduite avec l'agence Écomobilité. Une activité importante de sensibilisation des scolaires sur le climat et énergie avec 266 collégiens touchés, 467 scolaires sur la question du gaspillage alimentaire avec nos partenaires Mountain Riders, mais également France Nature Environnement. Et puis le fait d'avoir évité le brûlage de ces déchets viticoles avec l'adhésion des viticulteurs sur la question de la santé. Sur le volet environnemental, les actions qui ont été engagées sur la rénovation de l'éclairage public et avec plus d'extinctions nocturnes avec un bénéfice pour la biodiversité. L'accompagnement des entreprises pour la mise aux normes des rejets des eaux usées avec une action sur l'ensemble du cycle de l'eau sur leur site. Et enfin, le bonus constructibilité du PLUI HD. Qui n'entraîne pas d'augmentation des surfaces de stationnement et qui génère des réflexions entre acteurs pour une mobilité durable. Alors après le volet PCAET, le volet Citergie qui devient transition écologique, que nous partageons à l'échelle du territoire maintenant avec d'autres communes, notamment La Motte-Servolex, mais aussi Chambéry, et on espère d'autres communes toujours plus nombreuses. Donc là, vous avez en fait les recommandations de notre auditrice conseillère. Donc sur la question de l'éco-exemplarité, les recommandations qui ont été faites suite à cet audit, c'était de publier un bilan annuel de nos consommations et productions d'énergie et d'eau, ainsi que d'émissions de gaz à effet de serre pour faciliter les choix d'investissement. Donc c'est ce qui est fait avec la publication du BGES que je vais présenter juste après. Rendre visible et lisible le budget transition écologique de Grand Chambéry. Un travail également engagé avec la direction et le VP aux finances. Et puis formaliser une nouvelle politique de commande publique durable pour prendre en compte les exigences de transition écologique dans les marchés de travaux. Nous avons fait le constat que les clauses sociales sont vraiment très bien traitées et prises en compte dans l'ensemble de l'activité de Grand Chambéry. Néanmoins, sur les clauses environnementales, il y a un effort important à faire pour que l'ensemble de la commande en maîtrise d'ouvrage Grand Chambéry puisse répondre aux critères environnementaux et de transition écologique. Ensuite, sur le volet mobilisation et coopération territoriale, les défis que nous donne notre conseillère suite à cet audit, c'est de réussir la mobilisation des habitants dans la mise en œuvre du PCAET pour passer de la sensibilisation à la co-construction. Et là, vous êtes au courant du lancement, entre autres, du Club Climat avec l'opportunité pour 75 habitants de l'ensemble de notre territoire de s'engager concrètement sur la mise en œuvre de l'axe 6 du PCAET. L'initiative est plutôt d'ores et déjà très bien reçue avec beaucoup de mobilisation et déjà plus de 70 habitants qui se sont portés volontaires.
Vous avez également noté 6 fresques pour le climat qui vont avoir lieu dès samedi matin en commençant à Cognin jusqu'en mai sur l'ensemble du territoire avec un lancement le 3 mai de ce club climat à la Motte Servolex. Et la deuxième recommandation, c'était d'animer des temps spécifiques avec les communes de l'agglomération pour développer des synergies entre nos démarches élus et techniciens. Et donc voilà, c'est l'appel que je formule auprès de l'ensemble des communes de pouvoir réfléchir à vous engager également dans ces démarches avec l'appui de Grand Chambéry. Alors le bilan des émissions de gaz à effet de serre, il a eu l'objectif d'évaluer nos quantités de gaz à effet de serre produits, donc le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. Donc nous avons l'obligation de le réaliser tous les 3 ans et le périmètre d'étude a concerné toutes les compétences propres de Grand Chambéry, administration, eau et assainissement, sport et culture, collecte des déchets et transport en commun. Et nous avons également inclus un zoom sur une compétence déléguée sur la question du traitement des déchets car elle est importante et vous allez le voir dans les résultats. Merci. Donc sur l'empreinte globale, nous avons émis en 2019 6205 tonnes de CO2 équivalent. On ramène l'ensemble du suivi des différents gaz à effet de serre sur ce paramètre CO2 équivalent. Donc là, vous avez le graphique à droite qui reprend les différents champs d'analyse. Le orange, la source mobile, ce sont les véhicules. Le bleu, les sources fixes, ce sont les bâtiments. Donc on voit voilà, la part de l'administration, eau et assainissement, sport et culture, déchets et puis transport en commun, avec 64% des émissions qui viennent des véhicules pour les transports en commun gérés par Grand Chambéry. Ensuite, vous avez par compétences propres les tonnes de CO2. Donc là, on voit encore effectivement quasiment les mêmes proportions sur les différentes compétences exercées. Et sur la question des déchets, on voit que le traitement des déchets émet 52 137 tonnes. Là où l'ensemble des compétences propres en émettait un peu plus de 6000. Donc on voit la part énorme, impressionnante de la question du traitement des déchets. Donc on a une part qui est valorisée par toute la chaleur récupérée via le réseau de chaleur et distribuée qui peut se valoriser à hauteur de 8150 tonnes. Et donc ce bilan met en évidence sans aucune contestation l'enjeu d'importance de développer des actions autour des schémas d'économie circulaire, de réduction des déchets à la source, bien entendu, du tri, du compostage, aussi sur la question des biodéchets. Voilà, en conclusion, je souhaitais compléter avec l'actualité, vu que nous avons vu la publication du 3e et dernier rapport du GIEC ce lundi, qui met en évidence en fait comment nos politiques publiques doivent intégrer ces différents enjeux du changement climatique et qui nous fait l'état en fait des leviers que nous devons actionner pour relever le défi de la transition climatique. Ce rapport, en synthèse, il nous dit que la situation s'emballe, que nous devons amplifier et accélérer nos engagements et nos transitions, que la fenêtre pour réussir à contenir le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés est très étroite, mais qu'elle est encore possible. Donc ce rapport cite un ensemble d'options d'atténuation dans l'ensemble des secteurs, les transports, bien évidemment, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, l'alimentation, les systèmes énergétiques,
que les options sont de nature diverse, technologique, mais aussi de transformation des modes de production, de consommation, de vie, de déplacement. Et que ce n'est qu'en mobilisant un bouquet, un ensemble d'actions que nous pourrons réussir à atteindre nos objectifs de contenir ce changement climatique. Je voulais compléter également, parce qu'en 2021, dans le cadre du PCAET, Grand Chambéry a conduit une enquête sociologique de perception des enjeux climatiques à l'attention des décideurs de notre territoire. 53 personnes ont répondu, des élus et des non-élus. Réellement les décideurs qui sont en capacité de prendre des décisions en termes de politique locale. Et je voulais vous faire part de quelques chiffres. Le premier, c'est que 100% des 53 personnes qui ont répondu estiment que les enjeux, que le traitement et la réponse aux enjeux climat, air, énergie sont compatibles avec les enjeux économiques. 59% estiment que les institutions, et notamment Grand Chambéry, doivent aller plus loin, plus fort, et qu'il y a urgence, et qu'ils sont prêts à accepter les changements proposés par les institutions, contre 37% qui estiment que l'action de Grand Chambéry est à un niveau d'ambition acceptable. Le rapport de développement durable que je viens de vous présenter présente néanmoins des avancées notables et c'est à saluer. C'est le résultat d'engagement de plusieurs années. Néanmoins, au regard de ces dernières données scientifiques internationales, nous avons la responsabilité d'amplifier et d'accélérer ces transitions, que nous devons faire des choix engagés. En tout cas, que c'est ce que les décideurs de notre territoire attendent des élus en place dans nos institutions, que nous devons faire des choix engagés, résolument tournés vers l'avenir pour garantir un avenir vivable dans les prochaines années, notamment pour nos enfants. Nous avons eu un débat très intéressant lors de la présentation du ROB sur ces questions avec différentes interventions et plus spécifiquement sur la question des mobilités. Nous y reviendrons certainement dans la suite des rapports. Étant donné les chiffres que je vous ai présentés, notamment sur la question du BGS et sur le poids du secteur mobilité et transport, en tant que vice-présidente à la transition écologique et au développement durable, je nous invite tous à nous engager pour pouvoir valider toutes et tous ensemble une politique de mobilité très, très, très ambitieuse. Au regard des attentes et des enjeux et de la responsabilité qui est celle de Grand Chambéry sur le sujet. C'est également vrai sur la question déchets avec cette analyse sur l'impact du traitement de nos déchets. Et enfin, en tant qu'élu, après un temps de co-construction d'un nouveau projet d'agglomération Fabrique 2.0 que nous avons adopté récemment, au moment du vote du budget, je pense qu'il est important qu'on puisse être en responsabilité à la hauteur des enjeux qui se présentent face à nous, que c'est bien la mission que les électeurs nous ont confiée et que je souhaite être vice-présidente dans une assemblée qui prend ses décisions en responsabilité. Et je souhaiterais ajouter qu'à l'agglomération, nous avons la possibilité de prendre ces décisions sur un territoire plus grand. Et que nous pouvons être solidaires et partager ces engagements, que le niveau intercommunal nous permet de prendre du recul et de la hauteur par rapport à des problématiques communales qui sont peut-être plus difficiles à appréhender et à dialoguer avec nos citoyens et que l'échelon de l'agglomération doit nous permettre d'être en capacité de prendre ces décisions qui nous incombent. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation de ce rapport. Est-ce qu'il appelle des questions ?
Arthur Bonneveu, oui. Promis, je vais être bref. Donc là, si j'ai bien compris, c'était le PCAET de 2020 et pas 2021. Donc il n'y a pas le bilan des chèques vélo électriques qui ont été validés l'année dernière et qui ont connu un grand succès. On a le bilan. Bon. Alors c'est aussi en lien avec le budget, donc peut-être que je reposerai la question tout à l'heure, mais au moment du DOB, on n'a pas réabordé la question des chèques vélo électriques, il me semble. Du coup, est-ce que l'agglomération sur 2022 va se réengager sur cette question des chèques vélo électriques? Merci. On répondra au moment du budget. Mais il y a peut-être sur le PCAET 2020-2021. On pourra envoyer le bilan chèque VAE 2021 qui a été partagé au sein de la commission transition écologique il y a quelques semaines et qui est très positif au regard de la rapidité de consommation de ces différents chèques. Et l'innovation par rapport à l'opération de 2020 qui a été la mise en place de critères liés, conditionnés au niveau de ressources pour faire un véritable effet levier, c'est confirmé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, Martin Noblecourt. Oui. Merci. Je voulais remercier la vice-présidente et les services pour cette présentation. C'est toujours intéressant d'avoir du factuel pour évaluer. J'émettrais juste un souhait pour le rapport sur les gaz à effet de serre. Actuellement, on a une présentation qui est donc sur le scope 1 et 2, qui sont en fait une part assez modérée. Et en plus, on n'a pas toute l'évaluation de ce qu'on appelle l'énergie grise, en fait, les consommations de gaz à effet de serre, de la fabrication en fait, des équipements qu'on a, et pas juste leur consommation au quotidien. Et je pense que ça peut mettre un regard très différent en fait, sur ce bilan, puisque actuellement, par exemple, quand on le regarde, on a l'impression que c'est les bus qui posent le gros de la consommation de gaz à effet de serre, alors qu'en fait, si on prenait en compte, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre des travaux de voirie qu'on fait, donc dans la partie travaux et pas uniquement les consommations, ça donnera un bilan qui est complètement différent. Donc c'est un souhait. Alors je sais que c'est beaucoup plus complexe, hein, on le voit bien, y compris les entreprises qui travaillent là-dessus ont beaucoup de mal à calculer leur scope 3. Mais si on veut aller, je pense, dans une vraie vision sur qu'est-ce qui peut permettre de réduire les émissions, y compris sur des politiques de sobriété et pas uniquement de rajouter en fait toujours des équipements, je pense que ça me paraît nécessaire pour la suite. Merci. Oui, si on pousse l'exercice à fond, il faudrait arriver à cette modélisation-là, d'intégrer aussi notre consommation d'oxygène et notre rejet en gaz carbonique. Non, mais évidemment, à partir du moment où on crée, on bouge, on agit, on consomme, et forcément, il y a de la production de gaz carbonique. On y arrivera certainement un jour, hein, ce type de modélisation, et pousser l'exercice jusqu'au bout. Voilà. Bon, pour l'instant, on en est là. On a ces bilans-là qui sont déjà ce qu'ils sont, qui sont importants, qui nous donnent des repères aussi, puis qui nous motivent. Parce qu'avec ces bilans-là et ces paramètres-là, eh bien, on peut se fixer des objectifs d'avenir. C'est ce qu'on fait, une trajectoire. Et puis prendre des décisions et s'impliquer aussi dans cette lutte-là. Voilà, il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, bon, on n'a pas, c'est pas soumis à délibération, hein, c'est juste, donc il vous est proposé de prendre acte du rapport tel qu'il vous a été présenté. C'est uniquement ce qu'on a à faire ce soir sur ce rapport-là. Voilà, donc on va passer au suivant, qui concerne, c'est le rapport numéro 10, un rapport d'activité également, 2021, qui est celui du Conseil de développement de Grand Chambéry. Je vais demander au vice-président Jean-Benoît Cyrino de nous faire cette présentation-là. Ce rapport a été déposé sur table, hein, vous l'avez eu à l'entrée, puis également sur les tables. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, juste pour rappel, le Conseil de développement existe dans la loi depuis 1999. Il a existé sur notre territoire avant la fusion entre Chambéry Métropole et Cœur des Bauges. Et il a été réactualisé en 2017, fruit du travail de la Fabrique du territoire et issu, entre autres, du panel qui avait été à l'époque mis en avant et
et qui avait été pilotée ensuite par Sylvie Kosca. Vous avez donc devant les yeux, si vous l'avez pris, hein, bien sûr, ce rapport d'activité qui va vous être présenté, bien sûr, Christian, évidemment, qui va vous être présenté dans quelques instants par deux membres du Conseil de développement qui sont ici. Mais je tenais à rappeler deux, trois petites choses. Tout d'abord, que ce Conseil de développement est une entité de démocratie participative totalement autonome et indépendante. Vous aviez, dès la première année du mandat, accepté le protocole qui nous liait au Conseil de développement, et que pour ma part, j'y suis le plus discret possible, de façon à les laisser travailler en totale autonomie, mais ils expliqueront quel est le fruit de leur travail, et c'est pour cela que ce n'est pas moi qui vais le présenter, mais eux. Rappelez que ce Conseil de développement donne des avis, émet des avis sur les politiques publiques que mène l'agglomération, donc notre territoire, et que c'est un organe de démocratie participative. Qu'il est constitué depuis le mandat actuel d'anciens membres qui ont souhaité continuer et qui n'étaient là que depuis 3 ans. Et donc nous avions fait le choix à l'époque, je vous l'avais rappelé, de pouvoir permettre cette continuité. Et puis un certain nombre d'autres membres qui ont été retenus à la suite d'une vaste opération de un vaste appel à candidature en fait, hein, qui a fait que 110 personnes s'étaient à l'époque montrées candidates, et nous n'avons malheureusement pu en retenir que 110, mais j'imagine qu'un certain nombre de ceux qui sont restés à côté du Conseil de développement auront la possibilité ou ont déjà eu la possibilité d'être parmi les 70 du Club Climat, je l'imagine en tout cas. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est deux choses. Profiter de ce rapport pour remercier Léna Gilbert qui donc a en septembre décidé de qui animait le Conseil de développement avec ses membres bien sûr et qui a été appelée à d'autres fonctions en région parisienne et en profiter aussi pour saluer et souhaiter la bienvenue à son successeur Abdoulaye Faye qui est là-haut, qui fait un signe, voilà, merci Abdallah, qui vient d'être recruté par notre collectivité et qui est là depuis tout début mars. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène et à Franck qui vont venir présenter cela. Et si Jean-Stéphano et Laurent veulent venir aussi, puisqu'ils sont 4 présents membres du Conseil de développement, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, je vous demande de les accueillir. Ils vont faire cette présentation. Et évidemment, ils pourront répondre à vos questions, et moi-même aussi, si vous en avez, évidemment. On ne va pas les laisser en première ligne comme ça dans la fosse aux lions. On est par ici, oui. Bonsoir, donc, je suis Hélène, je suis membre du Conseil de développement. Je fais partie des nouveaux membres depuis un peu plus d'un an. Et grâce au travail qui a été fait par les anciens membres, j'ai pu prendre. Donc, ils ont fait un travail de communication. Et grâce à notamment une vidéo, ça m'a permis d'avoir envie de participer au Conseil de développement. Donc le rapport d'activité porte sur 2020-2021. Moi, j'ai intégré le Conseil de développement en 2021. Donc, on se réunit à peu près une fois par mois. Donc, comme vous en doutez, au début, on a fait des rassemblements, enfin des réunions en visio du fait de la crise sanitaire. Et depuis à peu près le mois de juillet, on se réunit plutôt en présentiel. Donc généralement dans les locaux de Grand Chambéry. On a été amené à travailler sur différents sujets, dont un qui vient d'être détaillé, presque les deux. Donc le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est la fabrique du territoire 2.0. Donc c'était le premier document sur lequel on travaillait, puisqu'au tout début de notre activité, du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux membres, on nous a aussi présenté
quelles sont les compétences de Grand Chambéry. Donc ce premier sujet a été un petit peu abordé de différentes manières et on s'est rendu compte que la démocratie fait que tout le monde n'a pas le même avis. Et donc on a été donc pour chaque sujet on rend donc un avis qui je suppose vous est présenté. Donc ensuite le deuxième sujet sur lequel on a travaillé plutôt à la fin de l'année 2021 c'est le PCAET. Donc on a eu pas mal d'échanges également sur tous les sujets divers et variés qui constituent le PCAET dont on a entendu parler juste avant avec Madame la vice-présidente. Et on a aussi à cette occasion rencontré Marie Favreau qui est donc chargée de mission PCAET et qui nous a aidé un peu à comprendre les tenants et aboutissants de ce PCAET. Donc par rapport à cet avis, on avait noté trois points importants. C'était que les documents qui nous ont été présentés étaient vraiment de très grande qualité, qu'il y avait eu effectivement un impact de la crise sanitaire puisqu'on devait aussi participer à l'évaluation de l'avancée des actions prévues, et qu'on a axé aussi beaucoup sur le fait que toutes ces actions engagées ou à engager par Grand Chambéry devaient être plus médiatisées, parce que nous-mêmes, habitants du territoire ou personnes en tout cas fréquentant le territoire, on s'était rendu compte qu'il y avait des actions dont on n'avait pas du tout connaissance, et ça nous semblait un peu dommage que ce ne soit pas plus mis en avant par Grand Chambéry. Je vais donc passer la parole à Franck. Bon, on n'a pas l'habitude, hein. C'est pas notre... C'est vrai, tant mieux. Moi, je vais plutôt vous parler des freins qu'on a rencontrés. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Le premier frein, c'est évidemment que le Conseil, quand il s'est renouvelé, c'était l'année dernière, donc c'était en plein Covid. Je ne vous cache pas que de démarrer des réunions, une instance comme ça pour une grande partie, pour qu'ils étaient nouveaux, en visio, en distance, un coup on se réunit, un coup on n'a plus le droit, c'était très compliqué, ce qui fait que sur la première année, je pense que ça nous a un peu lesté. Ça nous a certainement d'ailleurs freiné sur le nombre de sujets, on aurait peut-être pu travailler peut-être davantage de sujets, mais bon, cette année a été un peu compliquée. Une fois qu'on est sorti de tout ça, on a quand même pu travailler ensemble, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, on a été confronté à un autre frein, je veux dire. Je vais vous donner un exemple concret, la fabrique du territoire, le projet, donc vraiment, il nous a été très clairement et bien présenté. Il nous a été présenté un 8 juillet et on a demandé au Conseil de développement de rendre un avis le 14. Je vous laisse imaginer qu'en moins de 7 jours, le nombre qu'on est, alors on n'est pas que 4, hein, on est bien plus nombreux, mais que le nombre qu'on est, rendre un avis sur un document et sur un projet comme ça en moins de 7 jours, très clairement, on ne sait pas faire. Donc on l'a fait, mais ça a été compliqué, on s'est senti... Voilà, on l'a fait, mais on a l'impression qu'on aurait pu faire mieux. C'est un peu, on avait peur de bâcler. Donc c'est vrai que ça, c'est un problème qu'on rencontre et qu'on espère ne pas rencontrer par la suite, parce que si on veut donner un avis constructif et plus complet, il nous faut un peu de temps. C'est dû à notre organisation et au fonctionnement du Conseil. Donc ça, c'est le premier point. Ça rejoint le point aussi que les sujets sur lesquels on doit travailler... alors on a la capacité, effectivement, de ces autosaisines, c'est bien. On n'est pas parti là-dessus parce que pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que l'agglo, que les projets qui sont décidés nous soient communiqués pour que nous, les avis qu'on donne, soient déjà en phase avec ce qu'on anticipe, ce que vous anticipez, ce que vous voulez faire. Parce que si nous, on commence à faire des autosaisines, bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr qu'on va donner un avis citoyen, puisque c'est ça l'objet. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça va être en phase avec les projets. Ça se trouve, ça sera bien, mais on verra plus tard. Donc on préfère être alimenté par l'agglo qui nous alimente de sujets sur lesquels, du coup, on puisse être en phase et, si possible, du coup, être sollicité avant et d'avoir du temps pour être, une fois de plus, avoir un avis croustillant à vous rendre et pas, voilà, un peu plus étoffé. Voilà, après, c'est vrai que dans les quand même un point, ça c'était les freins, on va quand même dire qu'il y a des choses qui sont bien, c'est que tous les gens, effectivement, Hélène l'a dit, on vient de toutes les communes de l'agglo. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que les membres qui sont présents sont hyper engagés, hyper motivés, on est tous moteurs et on a tous plaisir à donner notre avis sur les projets de l'agglo. Donc ça, c'est super. Après, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on part, il n'y en a pas un qui est d'accord, mais on arrive à tous se mettre d'accord à la fin de la réunion. Donc c'est ça qui est quand même plutôt bien. Donc voilà, ça c'est quand même un côté, je pense que le Conseil de développement a trouvé sa vitesse de croisière.
Maintenant, on espère que le Covid va vraiment être derrière nous pour pouvoir aussi encore se réunir peut-être plus souvent si on peut, travailler davantage sur les sujets, évidemment avoir les sujets en amont, avoir le temps, je le redis. Et puis, on aimerait bien aussi redonner un peu de dynamisme dans le Conseil. Alors, c'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on aimerait aussi déjà se réunir pas que au siège de l'agglo, parce que bon, c'est bien d'être dans les... Mais nous, on nous demande notre avis sur les projets au sens large. Donc, c'est ce qui est initié, et puis... Serino et puis Abdallah, je sais que c'est déjà dans les tuyaux. Et on aimerait, si c'est possible, alors pareil, on verra si on peut, c'est aussi pouvoir visiter, aller sur le terrain, visiter des infrastructures. Si on doit solliciter les citoyens qu'on est sur des projets, c'est bien aussi qu'on aille sur le terrain et qu'on ne reste pas qu'en réunion dans quatre murs. Voilà, bah, c'est une très bonne nouvelle. En plus, c'est déjà amorcé. Donc voilà, on veut mettre un peu de dynamisme dans les réunions. Sur les projets, avoir plus de temps et aller sur le terrain davantage pour une fois de plus que les avis qui vous seront délivrés soient le plus étoffé, le plus croustillant et qu'ils soient voilà, le mieux pris en compte. Voilà, merci. Bon, il y a une belle énergie, hein, vous l'avez vu, donc il faut... partez pas, Franck, pas tout de suite. La règle du jeu en démocratie, c'est qu'après, voilà, il y a interaction avec l'Assemblée, quand même. Donc voilà, si les uns et les autres, vous avez des questions à leur poser, ou à poser au vice-président qui tente de temps en temps de les accompagner, oui. Eh bien, je vous propose qu'on les libère et on les remercie encore. Merci à vous. Bien, merci. On n'a pas à délibérer. Là, c'est juste un... vous demander de prendre acte de ce rapport d'activité, mais surtout en profiter pour vous remercier les membres de ce conseil de développement. Remercier du temps que vous passez, c'est du bénévolat. Merci. Et j'associe bien sûr le vice-président Jean-Benoît Serino. Merci pour votre travail constructif, notamment dans le projet d'agglomération. Vous l'avez dit également au niveau du PCAET. Moi, j'ai bien noté que vous nous conseillez de davantage médiatiser nos actions. C'est vrai, certainement, on ne le fait pas suffisamment savoir en avance. Et le grand public n'est pas forcément toujours au courant. J'ai bien noté le temps nécessaire que vous demandez pour pouvoir faire un travail plus sérieux. Et puis votre demande de faire du terrain, évidemment. C'est vrai qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Et le meilleur moyen, c'est de visiter, c'est d'aller sur site, d'échanger aussi à ces occasions avec les personnes qui exploitent soit nos équipements, nos aménagements et nos sites. Donc voilà, écoutez, on prend acte de votre rapport et un grand merci, on continue à travailler de cette manière-là et on prend note de tout, de vos conseils et recommandations. Merci beaucoup. Bien, on passe au rapport suivant. Donc, on passe au rapport financier avec le 11 et toute une série d'ailleurs de rapports financiers. Donc, je vais appeler le vice-président Jean-Marc Léout pour nous faire cette présentation. Il va venir peut-être ici pour parce que nous voilà parce qu'il y a une présentation. Avant, juste, je vais voilà un petit mot d'introduction, comme j'avais pu le faire pour le débat d'orientation budgétaire, pendant lequel eh bien se sont exprimés différents positionnements. Et voilà, moi, je rappelais le positionnement que j'avais défendu dont je vais vous faire part pour le budget, en prenant certains termes du DOB. Et mon point de vue, c'est de ne pas avoir recours, hein, je l'ai exprimé, à une hausse de la fiscalité dans ces temps incertains de crise internationale et de perte de pouvoir d'achat. Je vais aussi, nous avons reçu des courriers de la part des acteurs économiques qui nous demandent également d'aller dans ce sens. Également de se donner quelques marges de manœuvre sur le fonctionnement, ça va être exposé, de s'engager vers un désendettement progressif. Hein. On a vu qu'on avait atteint un pic
lors du dernier mandat suite au financement de plusieurs gros équipements structurants sur l'agglomération, de maîtriser nos satellites dont les investissements sont financés, je vous le rappelle, une fois de plus par des dépenses de fonctionnement dans notre budget et qui impactent directement notre budget de fonctionnement. Donc tous ces éléments associés à un phasage des projets, à la recherche de partenariats financiers, doit nous permettre de réaliser notre projet d'agglomération. Et je rappelle que la priorité est avant tout d'exercer correctement nos compétences actuelles et de délivrer nos services, continuer à délivrer des services publics de qualité. Les budgets que nous allons étudier ce soir permettent en effet de répondre aux besoins du territoire, d'abord sur le budget général, parce que le fonctionnement est assuré dans toutes les thématiques, sans besoin de mobiliser de ressources complémentaires. Concernant les déchets, elle permet de mobiliser une programmation pluriannuelle d'investissement à hauteur de 24 millions d'euros contre 9 millions d'euros précédemment, donc de permettre de répondre aux défis qui se présentent à nous sur les contraintes réglementaires qui vont s'appliquer. Concernant les mobilités, les excédents des exercices passés nous mettent en capacité de continuer à assurer le service à la même hauteur précédemment sans augmentation pour l'usager. Et le défi, c'est bien d'optimiser le réseau pour dégager des moyens supplémentaires à affecter à des besoins ponctuels d'ajustement du réseau, mais aussi de s'engager pleinement, comme l'a exprimé tout à l'heure Aurélie Lemeur, vers cette transition énergétique et écologique. Pour le budget de l'eau, le budget est excédentaire, ce qui permet d'avoir des marges de manœuvre pour absorber l'inflation à venir et donc le renchérissement de nos investissements. Ce budget 2022, c'est un aboutissement, mais aussi c'est un commencement. L'aboutissement de plusieurs semaines de travail de la part des élus, mais aussi de la part des services. Et là, je voudrais vraiment sincèrement les remercier pour la qualité du travail fourni, en particulier à la direction des finances représentée par Cécile, qui est là à ma gauche, et sous la houlette du vice-président Jean-Marc Léhout, qui a produit le document qui vous est présenté dans Idées Libres, mais qui va vous être présenté oralement, et qui est un document remarquable, je trouve, qui est un document accessible à tous, il me semble. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste des finances locales pour le comprendre, et ça, c'est une prouesse. Mais aussi, c'est un commencement, parce qu'il s'agit là du premier budget qui suit l'adoption de notre projet d'agglomération. Et nous allons, de ce fait, pouvoir commencer à suivre son application concrète dans les moyens financiers que nous mobilisons, des priorités que nous sommes collectivement fixées. Et je voudrais vous faire observer que 24 actions sur les 33 cœurs de cible, donc ça représente 75% de ces actions de cœur de cible, sont fléchées et sont dans ce budget 2022, inscrites au BP 2022. Et 39 sur les 90 qui sont non cœur de cible, c'est 40%, sont également inscrites. Donc c'est un montant total de plus de 36 millions d'euros qui sont dans ces actions-là, dans un budget qui sont flexés et qui sont fléchés sur des actions du projet d'agglomération. Et après ce budget 2022, il nous restera encore 4 années pour dérouler la suite des actions que l'on a fait flécher dans ce projet d'agglomération. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On va passer à la présentation et puis ensuite au débat, bien évidemment, s'il vous plaît, monsieur le vice-président. Merci, monsieur le président, chers collègues. Un peu que par tradition, on va donc vous présenter un document de synthèse qui fera référence chaque fois que vous le souhaitez aux pages du document que vous avez reçu. On va le faire à plusieurs mains et à plusieurs voix, avec Cécile pour la partie objectivation des commentaires techniques, avec Julien qui est le spécialiste de la gestion des emprunts et du mécanisme des flux, et puis de temps en temps un vice-président qui mettra son grain de sel, avec ou pas un gros grain ou un petit grain. Et donc partant, nous allons d'abord rappeler le contexte dans lequel vont s'installer les rapports qui vont du numéro 11 au numéro 27. Nous reviendrons dessus une fois que la présentation sera terminée, chaque fois pour la votation correspondante, l'approbation ou les questions, bien évidemment, que vous aurez les uns et les autres.
Ce qu'on peut donner en synthèse, même si le président a déjà déployé un certain nombre d'éléments qui sont eux aussi des éléments de synthèse, c'est que pour la première fois, Grand Chambéry a pris une décision de préparation budgétaire le plus tardivement possible pour trois raisons. La première, c'est que vous connaissez les périodes que nous venons de traverser, donc un certain nombre d'éléments étaient aléatoires. Nous attendions un certain nombre de positionnements en matière de loi de finances et de décision d'État, et donc qui ne sont pas encore d'ailleurs totalement arrivés. Le deuxième, c'est que nous attendions d'avoir les résultats de l'exécutif et des exécutions budgétaires de 2021 pour pouvoir quantifier au plus près les résultats, les intégrer dans la perspective du budget 2022. Le troisième, de pouvoir intégrer les premières réflexions, les premières ébauches et les orientations les plus calées sur le projet d'agglomération pour bâtir à la fois à travers le débat d'orientation budgétaire et la discussion qui en a suivi, de pouvoir présenter une perspective budgétaire pour l'exercice 2022 tenant compte de ces différents éléments. Alors nous allons balayer d'abord la partie excédent, résultat des budgets, des différents budgets annexes et du budget principal. Ensuite, nous balayerons pour chacun, une fois qu'on aura présenté le report en fonctionnement et en investissement, et la préparation, le calibrage du budget 2022 et les grands items, même si, j'ai bien tenu compte de la remarque tout à l'heure, on n'est pas dans du ligne à ligne, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compétences sont comprises dans des masses plus importante, mais ça, on répondra aux questions et nous aurons à les affiner au fur et à mesure. Si vous le voulez bien, Cécile, on va attaquer le commentaire. Julien, vous nous aiderez au déroulement, sachant qu'on a un peu l'habitude de travailler à trois et donc on devrait y arriver. Allez, moteur. Là, c'est bon ? Ouais. Donc tout d'abord, donc le budget eau potable. Donc le compte administratif 2021 s'établit en section de fonctionnement à 14 millions en dépenses et à 18,7 millions en recettes. L'exécution 2021 de ce budget est conforme, n'appelle pas forcément de commentaires complémentaires aux éléments qui sont exposés dans le rapport, si ce n'est en recettes de fonctionnement, une vente de produits qui s'était établie à 17,5 millions et des enveloppes de fonctionnement en charge à caractère général à hauteur de 3,6 millions, en charge de personnel à hauteur de 3,8 millions, en atténuation de produits, c'est des reversements à l'agence de l'eau 1,7 millions et une enveloppe de 3,7 millions en 0,42, opération d'ordre de transfert entre sections qui est la dotation aux amortissements. Il est à noter que le poids de la dotation aux amortissements est à un niveau élevé sur le budget de la régie, près d'un quart des dépenses de fonctionnement. Sur la section d'investissement, une PPI de 8,5 millions d'euros est à noter sur les 12 millions de la section d'investissement en dépenses, un remboursement de dette un peu moins de 3 millions d'euros, et en recettes, en plus de la dotation d'amortissement que je viens d'évoquer, des subventions à hauteur de 3 millions, mobilisation d'emprunt à hauteur de 5 millions d'euros, et l'excédent capitalisé de l'année dernière à hauteur de 3 100 000. Un taux de réalisation excellent, à plus de 90%, tenant compte des engagements. Au niveau de l'affectation des résultats, ce budget dispose de résultats de clôture solides, 8,7 millions d'euros en fonctionnement et qui permet une affectation équilibrée, que ce soit en investissement, 4,2 millions d'euros et 4,5 millions d'euros en fonctionnement. Ces résultats permettront le financement du renouvellement des compteurs d'eau dans les délais pluriannuels. Le budget 2022 pour le budget de la régie de l'eau met en œuvre la stratégie qui a été établie au moment du DOB, des recettes de fonctionnement à hauteur de 17,6 millions, conforme à la délibération tarifaire votée en fin d'année dernière, des dépenses de fonctionnement sur lesquelles des efforts devront être poursuivis pour la prise en compte des évolutions liées à l'inflation et à l'évolution des marchés de la matière première, et en investissement, une PPI à hauteur de 7,5 millions en 2022
qui sera financé à la fois par l'affectation du résultat, par une épargne brute vigoureuse et un emprunt à hauteur un peu moins de 4 millions d'euros. Donc un budget 2022 qui prévoit des dépenses et des recettes de fonctionnement à hauteur de 22 millions pour le budget de l'eau et de un peu moins de 20 millions en investissement. Le profil d'extinction de la dette sur le budget de la régie de l'eau, il vous est présenté sur le graphique ci-dessous, avec un CRD, un capital restant dû au 31 décembre 2021 à 40 millions 6, un taux d'endettement à 1,68%, et donc sans emprunt nouveau, l'encours de dette serait totalement éteint en 2058, soit dans 35 ans. Sur l'assainissement maintenant, donc un petit découpage différent sur la régie de l'assainissement, parce qu'il y a un découpage entre l'assainissement et l'assainissement non collectif. Le compte administratif 2021 de la régie d'assainissement s'élève en dépenses de fonctionnement à 14,7 millions d'euros, dont 180 000 pour le service public d'assainissement non collectif. Des remarques identiques à celles que je viens d'opérer sur le budget de l'eau peuvent être également faites sur le budget du régie de l'assainissement, avec des charges à caractère général à hauteur de 4,4 millions d'euros, des charges de personnel à 3,4 millions d'euros et des atténuations de produits avec les reversements à l'agence de l'eau à un peu moins d'un million d'euros. Sur les recettes de fonctionnement, donc des recettes de fonctionnement qui sont élevées à 18,9 millions d'euros, dont 160 000 pour le service public d'assainissement non collectif. Et on note également à peu près dans les mêmes proportions que pour le budget de la régie de l'eau, des ventes de produits à hauteur de un peu moins de 17 millions d'euros. En investissement, les taux de réalisation, y compris toujours avec l'engagement, dépassent plus de 90%. Il est important de souligner que sur les 8 millions que compose le compte administratif en dépenses sur le régime de l'assainissement, il y a 2,2 millions d'euros qui sont du remboursement de dettes et 4,4 millions d'euros sur les principaux programmes d'investissement qui sont listés sur la slide suivante, enfin sur la slide à l'écran, avec la construction du bassin de stockage et de rétention d'eau pour 1,3 million d'euros, le renouvellement des réseaux d'eau usés pour un montant d'un million 4, dont 640 pour des opérations de rénovation des réseaux d'eau usés autour des puits de captage, 270 000 pour des travaux réalisés sur des digesteurs des stations d'épuration et 251 000 pour des travaux réalisés sur les mises aux normes de la station d'épuration d'Aillon-le-Jeune. Sur les affectations de résultats, donc ce budget dispose également de résultats de clôture solides, un résultat de fonctionnement 2021 en fonctionnement à 11 millions d'euros, un résultat de gestion en investissement, y compris avec les restes à réaliser déficitaires, de 6 millions. Donc la proposition qui est faite, c'est d'affecter un investissement 7 millions d'euros et un report à nouveau en fonctionnement de 4 millions. Pareil comme pour le régie de l'eau, le profil d'extinction de la dette avec le capital restant dû au 31 décembre 2021 à 32 millions 100 et un taux d'endettement sur ce budget à 2,25%. Et sans emprunt nouveau, l'encours de dette sera totalement éteint en 2045, soit dans 23 ans. Le budget primitif de la régie d'assainissement s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 21 millions 4 et en section d'investissement à 6 millions 2. Même remarque que sur le budget de l'eau potable, un équilibre avec le tarif, des charges de personnel à hauteur de 3 millions 3, des charges propres au budget d'assainissement de 4 millions 4, une épargne brute de 6 155 000 qui permet de financer une PPI, petit problème de micro, une PPI de 6 millions d'euros et des reports 2021 à hauteur de 6 millions 2 qui seront financés par l'épargne brute et l'affectation du résultat notamment.
Avant de passer au budget mobilité, donc il sera pour ces deux budgets proposé de voter les comptes administratifs conformes avec des taux de réalisation satisfaisants, une affectation des résultats qui reprend un ensemble d'enjeux, des budgets primitifs avec des montants d'investissement, y compris avec les reports de 11 millions d'euros sur le budget de l'eau potable et 12 millions d'euros sur le budget de l'assainissement. Donc c'est le premier budget que nous passons. Vous retrouvez la technique, c'est-à-dire mobiliser les excédents pour pouvoir financer ce qui est en cours, considérer que la tarification et les équilibres budgétaires sont assurés par la tarification mise en œuvre et que ça permet pour le service concerné d'assurer les fonctionnalités qualitatives et quantitatives dans le cadre à la fois du budget 2022 et des perspectives suivantes. On passe au budget mobilité. Donc, budget mobilité pour le compte administratif. Donc, le compte administratif s'établit en dépenses de fonctionnement à 28,9 millions d'euros. 80% de ces dépenses sont constituées par le forfait de charges pour la DSP mobilité. Les taux de réalisation sur les charges à caractère général sont un peu en deçà des périodes précédentes, mais cela s'explique par les périodes post-Covid qui peut expliquer un certain nombre de ces décalages de réalisation. Sur les recettes de fonctionnement, qui s'établissent à hauteur de 31,5 millions, dont 75% proviennent de la fiscalité et du versement mobilité, et 10% des recettes commerciales. Il est à noter que la refacturation sur 2021 des kilomètres non parcourus en 2020 aux délégataires sont constitutifs justement d'une recette exceptionnelle qui aurait dû être affectée à l'exercice 2020, mais comme elle se calcule a posteriori, elle est intégrée dans les résultats 2021. Sur la section d'investissement, elle n'appelle pas forcément de commentaires particuliers. Le compte administratif s'établit en dépenses à hauteur de 1 350 000 et en recettes à hauteur de 2 255 000. Un petit focus tout de même sur les opérations d'investissement de ce budget mobilité. 80% des dépenses d'investissement sont à mettre au crédit des aménagements de pistes cyclables, d'infrastructures et d'aménagement des points d'arrêt. L'affectation des résultats. Les résultats de clôture résultent donc de paramètres exceptionnels entre 2020 et 2021. Et donc il est à noter un excédent d'investissement à hauteur de 5,8 millions et en fonctionnement à 5,6 millions, conforme aux éléments qui avaient été présentés au moment du débat d'orientation budgétaire. Le profil d'extinction de la dette sur ce budget-là, le CRD au 31 décembre 2021 s'établit à 9 580 000, un taux d'endettement à 0,59%, et sans emprunt nouveau, l'encours de dette serait donc totalement éteint en 2039, c'est-à-dire dans 17 ans. Le budget mobilité au BP 2022, donc il s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 35,766 millions, principalement constitué, comme les éléments que j'évoquais sur le compte administratif, par le forfait de charge sur la DSP du réseau transport, à hauteur d'un peu moins de 25 millions d'euros, et financé majoritairement par le produit issu du versement mobilité, à hauteur de 22,7 millions, des produits des services à 5,6 millions, des recettes commerciales, et du résultat antérieur à hauteur de 316 000 euros. Sur l'investissement, donc il s'équilibre en dépenses en recettes à 8 254 000 euros, une PPI à hauteur de 1 300 000, un remboursement en capital de la dette d'un peu moins d'un million, les crédits qui sont réservés pour le remboursement de l'avance de l'État à hauteur de 3 millions d'euros, les reports et les crédits qui sont réservés pour la PPI sur, de manière pluriannuelle. Ce budget est donc équilibré par une épargne brute de 2,3 millions, des subventions à hauteur de 13 000 euros et du résultat reporté d'investissement à hauteur de 5,8 millions.
un petit focus sur la section d'investissement et les opérations qui sont prévues au BP 2022. Vous allez trouver dans les immobilisations corporelles à peu près 1 million d'euros sur des crédits prévus pour l'achat de matériel roulant, à la fois ce qui est prévu dans la PPI de la DSP et des éléments complémentaires, des travaux de sécurisation des points d'arrêt dans les immobilisations en cours et dans les immobilisations incorporelles, des études préopérationnelles pour le dépôt de bus. Une délibération spécifique sur le budget mobilité, c'est l'harmonisation du versement mobilité sur l'ensemble du périmètre communautaire. Il est donc proposé de converger vers le taux de versement mobilité de 1,75 au 1er janvier 2023. Et dans ce cas-là, ce taux sera appliqué sur l'ensemble des 38 communes de Grand Chambéry. Méthodologie similaire, mobiliser les excédents, permettre de rembourser l'avance que nous avons sollicitée de l'État au moment où on pouvait le faire puisque c'est à taux zéro. Ensuite, toute chose étant égale par ailleurs et indépendamment des discussions qu'il pourra y avoir par secteur sur les différentes communes qui seront consultées, qui travailleront avec le vice-président en charge, pouvoir adapter ça et là des complémentarités de services ou d'offres, mais en même temps pouvoir continuer à investir. Il restera un travail, mais ça répondra certainement à des questions, à faire de manière assez intense avec le délégataire, puisque je vous rappelle que si nous n'avions pas eu une DSP telle qu'elle est construite, nous aurions perdu 1,8 million supplémentaire, puisque dans ce cadre, elle a été mise à charge du délégataire et donc pas à charge du budget de l'agglomération. Donc dernier budget, le budget principal. Donc on va faire un découpage parce que le budget principal, c'est le budget général et le budget déchets qui est encapsulé dans le budget général. Donc une présentation un peu synthétique sur le budget principal, sur les comptes administratifs, et une présentation un peu plus détaillée par budget pour les budgets primitifs. Donc le compte administratif s'établit en section de fonctionnement pour le budget principal à hauteur de 101 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement, donc 84,6 millions pour le budget général et 17,2 millions pour le budget déchets, et 11,9 millions, presque 112 millions, pour le budget principal en recettes de fonctionnement, donc 92,4 millions pour le budget général et 19,5 millions pour le budget déchets. En investissement et en consolidé, la section d'investissement est constituée en 2021 de dépenses à hauteur de 40,8 millions et de 47,5 millions en recettes, donc un solde positif de 6,7 millions. Si on regarde un petit peu au registre des opérations qui sont prévues, enfin qui ont été exécutées plutôt sur le budget 2021, sur le budget principal, on peut relever les éléments de solde sur le pôle d'échange multimodal à hauteur d'un peu moins de 900 000 euros. Les travaux sur la réhabilitation de la piscine de Buisson à hauteur de 2,1 millions. Des éléments pour la PPI déchets sur 2021, sur la matériel et conteneurisation à hauteur de 1,1 million. Mais également sur les véhicules pour les déchets sur un peu moins d'un million d'euros. Les fonds de concours pour les casernes du SDIS à 2,2 millions. Les soldes pour la nouvelle piscine d'agglomération en dépenses à hauteur de 1,3 million, mais 3,3 millions en recettes, puisque c'est les soldes de subvention que l'agglomération a perçus pour cet équipement. Des éléments sur le programme local de l'habitat pour un montant de 2,8 millions. Sur les voiries d'intérêt communautaire hors ouvrage d'art de 2,1 millions. Des travaux sur les eaux pluviales avant transfert de compétences à hauteur de 1 million d'euros. Et autre élément complémentaire à noter, les éléments sur la plateforme logistique et solidaire, conformément aux engagements de 2,180 000 euros, ont été payés sur 2021. Le fonds de concours pour le stade municipal de Chambéry, où le premier acompte a été versé sur 2021, à hauteur de 820 000 euros. Donc en synthèse, la PPI du budget principal s'est élevée à 24,4 millions en dépenses et 8,1 millions en recettes, dont 21,4 millions pour le budget général en tant que tel, 2 millions
pour le budget déchets et un peu moins d'un million sur le budget mobilité. Alors, je ne vais pas vous commenter dans le détail ce tableau qui figure en page 82 du rapport, qui est l'affectation des résultats détaillés, budget par budget, et la proposition qui est faite. Les résultats donc, de clôture du budget principal, ils intègrent les résultats de clôture du budget général, du budget déchets des 24 communes de Grand Chambéry, la clôture du budget annexe des ordures ménagères des Bauges, et donc l'intégration de tous ces budgets fait une proposition d'affectation globale qui est présentée sur la slide suivante, avec un résultat de clôture de 32,5 millions en fonctionnement, un déficit d'investissement de 2,4 millions quand on intègre les restes à réaliser, et donc la proposition d'affectation de résultats qui est conforme aux éléments qui avaient été évoqués au moment du DOB, avec un autofinancement de la section d'investissement de 20,9 millions sur le budget général, d'un million sur le budget déchets, et la proposition qui était faite de conserver un excédent de fonctionnement de 10,5 millions, 8,9 millions sur le budget général et 1,5 millions, 1,6 millions sur le budget déchets. Le focus sur le budget 2022 des déchets. Donc en dépenses de fonctionnement, le budget déchets s'équilibre à hauteur de 22 millions, un peu plus de 22 millions d'euros, dont 13 millions en charges à caractère général, 4 millions en charges de personnel et en recettes principalement constituées par la fiscalité maintenant harmonisée sur l'ensemble du territoire, qui est la TOM et la redevance spéciale. Un tableau de synthèse sur le budget déchets, donc qui illustre les enjeux forts de cette compétence, avec le découpage où vous avez les charges propres qui sont celles qui sont payées à Savoie Déchets, qui représentent 30% du budget de fonctionnement. Les éléments du budget de fonctionnement au titre de la collecte et des déchetteries, qui représentent donc 70% du budget des déchets, dont la moitié est de la masse salariale, et un financement de la TOM, donc harmonisé sur l'ensemble du territoire. Sur la partie PPI, il est à noter un montant important en 2022 en termes d'investissement, 6,4 millions, dont 3 millions pour les politiques en termes de conteneurisation et de véhicules. C'est trois fois plus que les niveaux mis en œuvre antérieurement. Et qui seront donc financés par l'épargne brute du FCTVA des subventions et de l'emprunt à hauteur de 3,2 millions. Un petit focus sur les différentes opérations d'investissement sur le budget déchets. Donc des acquisitions de conteneurs pour 1,3 million, des travaux de conteneurisation pour 1,5 million, l'acquisition de véhicules de collecte pour 1,5 million, des renouvellements sur les CGV pour un peu plus de 300 000 euros. Tous les éléments au titre du schéma de biodéchets pour à peu près 200 000 euros. Ensuite, sur les déchetteries, le réaménagement de la déchetterie de Saint-Alban pour un peu moins de 400 000 euros, des travaux de mise aux normes pour 100 000 euros, et toute cette PPI fait un montant total de 6,4 millions. Le focus sur la dette, sur le budget déchets, donc un capital restant dû au 31 décembre 2021 à hauteur de 5,3 millions, un taux d'endettement à 1,54 et donc sans emprunt nouveau, l'encours de dette serait totalement éteint en 2042, soit dans 20 ans. Donc sur le budget déchets, simplement ce qu'on peut remarquer, c'est que la PPI pour 2022 à hauteur de 6,4 millions représente en fait 80% du montant qui avait été investi lors du précédent mandat. Donc en une seule année, on multiplie en gros avec un coefficient 0,8 de tout ce qui était la mandature précédente. Donc ce qui est une évolution qui résulte du travail fait par la vice-présidente et les services et de l'évolution des compétences et de la filière déchets. On termine par un focus sur le budget général. Donc le budget général, c'est le premier budget de la collectivité en volume.
puisqu'il s'équilibre à hauteur de 102,6 millions, notamment en fonctionnement. Mais il intègre une part très importante de financement d'actions qui sont soit externalisées ou au reversement des communes. On le voit sur le graphique, le montant des attributions de compensation et du FPIC correspond à un montant de 32 millions d'euros. Et tout ce qui est contribution obligatoire aux satellites de l'agglomération, 11,5 millions. Donc en fait, sur les 102,6 millions de budget comptablement proposé au vote ce soir, seuls 24,6 millions correspondent à de réels montants sur le budget de fonctionnement propre de l'agglomération. En termes de recettes, la fiscalité s'élève à 51 millions d'euros, dont 32,5 millions sont reversés aux communes au titre des attributions de compensation notamment. En matière de ressources tarifaires, plus de 93% relèvent de la refacturation aux budgets annexes ou aux services mutualisés. 7% seulement restant portent sur la tarification de nos équipements publics. Le taux de réalisation est sur le fonctionnement est à plus de 92% sur ce budget. En investissement, donc la section d'investissement s'équilibre à hauteur de 61,5 millions, donc 40,4 millions sur la PPI avec les reports 2021, 11,1 millions de remboursement de dette, qui sera, et c'est assez exceptionnel pour le souligner, financé par la mobilisation du résultat de clôture à un peu moins de 21 millions d'euros, par un montant de subvention et d'avance à hauteur de 11,4 millions et une épargne brute pour équilibrer. Un petit focus sur la déclinaison en chapitre comptable, mais je vais passer assez vite sur la section d'investissement, donc qui s'équilibre à 11,5 millions et qui sont découpés en deux, trois grandes enveloppes. Les dépenses plutôt financières, les dépenses d'investissement en tant que telles et les opérations d'ordre par la suite. Sur les recettes, il faut noter 10,3 millions de subventions d'investissement et 1,8 million d'opérations en chapitre 27, autre immobilisation financière, qui sont les remboursements d'avance consentis à CGLE sur les aménagements de zones. Vous avez ici projeté les éléments de la PPI synthétisée qui sont dans le rapport page 92. Alors, je ne vais pas passer opération par opération, mais sur les 40 millions, un peu plus de 40 millions 4 de PPI proposés au budget 2022, il y a quatre grandes familles qui paraissent intéressantes de noter. Les investissements récurrents à hauteur de 3 millions 100. Les investissements relatifs aux grands équipements infrastructures à hauteur de 16 millions 2. Tout ce qui relève de la gestion et de la préservation des espaces à hauteur de 9,5 millions et tous les fonds de concours qui seront versés sur l'exercice 2022 à hauteur de 11,5 millions. Je vais passer assez vite sur la présentation formelle comptable de la section de fonctionnement. Elle n'appelle pas forcément de plus de commentaires que ceux qui figurent dans le rapport et ceux que j'ai évoqués juste avant dans la présentation schématique. Donc le budget en dépenses de fonctionnement à hauteur de 102 millions avec les charges générales, les charges de personnel. Où là, il y a la totalité des charges de personnel de tous les budgets qui sont refacturés. Les 102 millions en recettes de fonctionnement avec les 55 millions de fiscalité, avec les éléments explicatifs des hypothèses en page 109 et 110 du rapport. Et vous voyez ici d'indiquer le solde de résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 8,9 millions pour le budget général. Les votes du budget s'accompagnent traditionnellement des votes des taux. Ils sont proposés inchangés sur l'exercice 2022, avec un taux de foncier bâti à 2,30, de foncier non bâti à 3% et de CFE à 27,7. Le focus sur la dette pour terminer. Le budget général a un capital restant dû au 31 décembre 2021 à 157,4 millions d'euros, un taux d'endettement à 1,42%.
et vous allez avoir deux graphiques qui répondent à des éléments qui avaient été questionnés au moment du débat d'orientation budgétaire et qui ont été débattus en commission des finances, c'est-à-dire l'impact sur l'encours de dette de la prospective qui était évoquée dans le scénario jaune du DOB. Donc vous avez deux représentés, l'encours historique et en masse supplémentaire les éléments de l'impact du recours à l'emprunt entre 2023 et 2026, conformément à la présentation qui avait été faite au moment du débat d'orientation budgétaire. Et de manière, donc là on est sur l'encours, et avoir une vision plus précise sur le focus sur l'annuité de l'encours, toujours sur la prospective du scénario jaune. Vous voyez d'indiquer en bleu, c'est le remboursement en capital, en orange, les intérêts connus, en saumon, les intérêts estimés quand on est sur des intérêts variable, et en vert, mais qui se voit à peine à l'œil nu, c'est les impacts des intérêts simulés de la dette nouvelle. Ce qu'on peut noter, c'est que il y a un peu, à partir de 2027, il y a une chute importante, alors sans encours de dette différent de celle qui est prévue à la trajectoire jaune, de l'annuité de la dette, ce qui permet de récupérer de l'épargne conformément à la stratégie évoquée. Enfin, et pour terminer, le focus sur les ratios des différents budgets de l'agglomération au stade du BP 2022. Donc sur le budget général, avec un encours de dette à 157,4 millions d'euros, une épargne brute à 13 millions. La capacité de désendettement est tout juste à 12 ans, qui est la limite et le plafond de la loi de programmation des finances publiques. La thématique déchets, ligne d'en dessous, 5,3 millions en encours de dette, 2,5 millions en épargne brute, ce qui fait une capacité de désendettement de 2 ans. Et comme je vous l'ai expliqué, le budget principal qui concatène ces deux budgets, on est à 162 millions d'euros sur l'encours de dette, 15,5 millions sur l'épargne brute, et donc une capacité de désendettement de 10 ans. Sur la mobilité, 9,5 millions d'encours, 2,3 millions d'épargne et 4,11 ans de capacité de désendettement. Et sur l'eau potable et l'assainissement, on est sur des montants relativement équivalents, et avec des capacités désendettement qui sont aux alentours de 7 ans, 7 ans et demi. Vous voulez celle-là ? Vous pouvez repasser. Oui, le graphique qui est là a un intérêt relatif parce qu'il nous donne notre espérance de vie de dette, mais surtout il a un autre avantage, c'est qu'il permet de se rendre compte qu'on a constamment des trains descendants, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'effet de remboursement différé de la dette et que donc c'est une continuité en fonction des taux d'emprunt contractés historiquement qui permet de se désengager progressivement. Donc le budget qui vous a été présenté tient compte de trois choses. La première, c'est l'intégration de la revalorisation des bases à 3,4% qui a été intégrée dans le budget. Un deuxième mécanisme qui est le dynamisme du territoire, qui est la croissance des bases physiques du territoire à 0,5%. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, puisqu'il y a eu des questions, il ne s'agit pas d'un impôt voté ou d'un taux de fiscalité voté à 0,5%. Il y a donc deux éléments de valorisation, les 3,4% de la loi de finances, les revalorisations des bases. La deuxième, c'est le dynamisme du territoire en matière d'habitat, en matière d'implantation, en matière de création. Et donc, du coup, on l'a chiffré sur une tendance à 0,5%. Et dans ces conditions, le budget a été calibré avec maintien des taux actuels pour le foncier bâti à 2,3%, le foncier non bâti à 3% et la CFE à 27,7%. Voilà donc les éléments qui ont fondé le calibrage du budget et qui a été regardé par deux commissions des finances, un comité des maires et un débat d'orientation budgétaire. Voilà, nous sommes bien évidemment à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir, les compléments, les interrogations ou les éclaircissements. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette présentation. Donc on va passer
aux questions, aux interventions. Donc tout vous a été présenté hein, en bloc, c'était volontaire pour avoir une logique, parce qu'il y a, il y a de la continuité, et il valait mieux tout avoir en tête. Bien sûr, on votera séparément, comme c'est présenté dans les différents rapports. Donc voilà, je vous laisse la parole. Christophe Pierton. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au service pour le travail et la présentation claire et précise. Je vais excuser Alain Caraco, qui aurait voulu être présent, mais qui a été testé positif au Covid, et voilà, donc qui aurait pu intervenir aussi sur le budget mobilité et demander quelques précisions. Je le fais moi. Voilà, en concertation avec d'autres élus. Sur le budget mobilité, on a le chapitre 68, dotation aux provisions, qui est à 5 354 000 euros, qui est 2 millions de plus que l'année précédente. Donc, c'est un peu, on va dire, la réserve. Et donc, comme l'année précédente, il nous est proposé de conserver en section de fonctionnement le solde de résultat de clôture, comme ça a été fait donc l'année précédente. Donc, on voit qu'il augmente. Et on peut penser que le risque est peut-être surestimé, hein, parce qu'on le garde, vous l'avez dit, hein, pour au cas où s'il y avait des augmentations des coûts. Enfin, on a connu des années, c'est vrai, avec des budgets qui ont été fortement impactés. Mais là, on le voit sur les mobilités, plutôt nous a permis de garder de la trésorerie. Et donc, avec plusieurs élus, on estime que c'est surestimé hein, ce risque. Et pour plusieurs raisons que je vais développer rapidement. Les recettes 2022... du versement mobilité sont estimés à 22,7 millions, alors que le résultat réel des années antérieures sont supérieurs à 23 millions. Donc on peut aussi estimer que le VM est prudent hein, sur cette année. Et d'ailleurs, notre vice-président aux finances avait dit qu'on était quand même aussi sur un dynamisme économique du territoire qui peut permettre une certaine robustesse du versement mobilité. Donc même si voilà, on peut estimer qu'il va plutôt être supérieur à ce qu'on a mis, mais bon, c'est une version prudente. Hein. On le fait tous aussi dans nos communes. Hein. On sous-estime un petit peu les recettes, on surestime un peu les dépenses pour sécuriser les budgets. Les recettes voyageurs qui étaient inférieures à l'engagement contractuel du délégataire de 2,1 millions en 2020 et de 1,2 million en 2021 ont retrouvé leur niveau normal en mars 2022, malgré un mois de janvier encore faible. En se contentant d'une dotation aux provisions déjà très généreuse de 5 millions au lieu de 5 300 000, 54, on pourrait injecter dès 2022 dans le fonctionnement du réseau jusqu'à 354 000 euros, ce qui permettrait de financer. Hein, donc on pourrait dire qu'on garde 5 millions en réserve et on utilise donc 354 000 euros. Et ça permettrait de renforcer la ligne Cronoa les dimanches de juillet et de août sur la desserte de plage, hein, donc dès cet été. La desserte de nouvelle construction des monts, Bassin et Chambéry, aujourd'hui à 2 km avec du dénivelé et l'arrêt de bus proche d'une ligne régulière par une ligne vers le centre de la gare de Chambéry. Voilà, je donne des exemples, je vous donnerai les chiffres après. La desserte des hameaux de Sona, le ticket mini-groupe. Voilà, donc ça a été déjà estimé au niveau budgétaire. La desserte de la Tessonnière, la Motte Servolex, ou encore la desserte du cœur du Biolay et des berges de Lierre. Et un autre point aussi, le renfort de la Chrono D, hein, qui part de Saint-Alban jusqu'à Bissy, en passant par Chambéry et Cognin, en augmentant le cadencement pour qu'elle soit plus proche des autres lignes chrono aux heures de pointe. Alors, les
Les estimations financières, donc avec les renforts là, et l'augmentation de l'offre de service, a été estimée sur 2022 à 142 000 euros, sachant qu'elles attaqueraient pour l'été et la plupart en septembre. Et il reste à définir financièrement la desserte de la Tessonnière, la desserte du cœur du Biolay et le renfort de la Chronodé. Voilà. Mais on voit déjà que sur les 154 000 euros, avec un peu moins de la moitié, on arriverait à couvrir des demandes faites des usagers et des élus. Et il resterait 3 à chiffrer, mais sur la fin de l'année, avec ce montant-là, on pourrait les absorber. Et à l'heure aussi, on parle du coût des carburants, mais les carburants, c'est aussi nos concitoyens qui les payent. Et si on augmente le service des transports en commun, forcément, ils utiliseront moins leur voiture. Et c'est aussi un service qu'on rend à nos concitoyens. Et ça va dans le sens aussi du projet d'agglomération qui a été voté à l'unanimité. Par exemple, sur des cœurs de cible, comme étudier le renforcement de l'attractivité de l'offre des lignes de bus en travaillant notamment sur l'intermodalité des parkings relais. Développer une tarification adaptée, c'est aussi, par exemple, les tarifs groupes. Et puis, il faudra qu'on étudie, mais ça sur peut-être 2023, améliorer la desserte sud de l'agglomération en direction de l'Aravoir et Saint-Baldoff et le mix mobilité adapté aux Bauges. Voilà. Donc, tous ces éléments pour vous dire qu'on a, me semble, une marge de manœuvre à budget, on va dire, quasi constant, parce que le global... Il est constant, on ne demande pas du tout à augmenter la fiscalité et le VM, mais dans ce budget, le curseur le met un petit peu en entamant notre réserve de presque 5 millions 4, en prenant un peu plus de 300 000 euros pour augmenter l'offre de service au niveau de la mobilité et d'engager cette réflexion sur 2023 pour continuer cette dynamique, parce qu'il y a une vraie attente de nos concitoyens, une vraie urgence climatique, respect de l'environnement, tout ce qu'on a pu nous présenter là en premier point sur le PCAET. Et nos concitoyens nous attendent, et je pense que c'est... Voilà, on a du budget disponible, il faut qu'on avance là-dessus, et voilà, c'est un petit réajustement. Finalement, on a enchaîné les dizaines de millions de présentations et là, on parle de un peu plus de 300 000 euros. Donc, on est vraiment à la marge. Donc, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'il y ait de l'ordre de même pas 1% du budget des mobilités. Donc, voilà, il me semble qu'on pourrait avancer là-dessus. En vous remerciant. On va prendre d'autres interventions et il y aura une réponse globale. Enfin, s'il y en a s'il y a d'autres interventions qui traitent de sujet. Non ? Sinon, on répond ? On répond sur ce point-là, sur la mobilité ? Je vous rappelle que le mécanisme d'excédent ou d'épargne, il n'est pas fait pour faire de l'orthodoxie budgétaire simplement, il n'est pas fait non plus pour se faire plaisir. Si nous n'avions pas consolidé ces résultats au fil des différentes années, nous n'aurions pas pu, au cours de l'exercice 2020 et 2021, garder la même offre de services et nous aurions dû faire bien autrement budgétairement. Donc cette épargne nous a permis de continuer à garder la même offre de services, alors qu'un certain nombre d'agglomérations de notre dimension ont, elles, baissé l'offre de service compte tenu des baisses de fréquentation et des baisses de rentrées tarifaires. Donc c'est une sécurisation sur un produit qui est un produit parafiscal, qui est aléatoire. Oui, on peut penser qu'il y a du dynamisme du territoire, 0,5, la preuve, on l'a intégré, mais on ne sait pas encore quel sera le versement transport et quel sera le quantum. Par ailleurs, très certainement, s'il augmente, on aura des possibilités dans les réunions sectorielles, secteur par secteur, de considérer le caractère de cohérence sur des adaptations ou des optimisations à faire. En effet, vous savez tous, nous savons tous, qu'une ligne bus, elle démarre
à un point et elle se termine à un autre et que parfois elle traverse 3 ou 4 communes. Et donc l'analyse n'a pas été faite sur l'ensemble des communes et donc il reste à calibrer cet aspect-là pour pouvoir en déduire soit s'il y a des budgets supplémentaires, soit à l'intérieur du budget qui vous est proposé, quelques adaptations à la marge. Alors, bien classiquement, mais c'est parfaitement humainement normal, quand on dit qu'on brasse des millions et qu'on rechigne pour 300 000 euros, c'est de bonne guerre. Je vous rappelle, monsieur le maire, que vous avez à l'intérieur de votre budget communal traduit un mécanisme qui est au moins une omission, puisque vous avez dit que vous perdiez des marges budgétaires pour votre commune à cause du transfert de l'attribution de compensation en matière d'eau pluviale. Je vous rappelle que vous faites partie des 4 communes qui avaient bloqué le dispositif et que c'est pas là qu'on peut trouver la raison d'une diminution de votre dotation budgétaire communale. Donc je ne voudrais pas que la même analyse un peu faussée soit à l'ordre du jour pour le budget transport que vous connaissez un peu moins bien et c'est parfaitement normal que le vice-président en charge. Troisième aspect, le vice-président en charge a un travail conséquent à poursuivre avec le délégataire. Nous constatons qu'il y a un certain nombre de kilomètres haul-pied, c'est-à-dire sans tarification, sans voyageurs, qui permettent strictement des problèmes d'organisation et qui coûtent cher à la collectivité. Nous estimons qu'il y a en gros entre 350 et 450 ou 500 000 euros de kilomètres haul-pied à récupérer. Enfin, du côté du délégataire, il a un certain nombre d'optimisations et de propositions à faire, à condition qu'il y ait des contacts fréquents, une analyse régulière pour pouvoir aller effectivement dans votre sens, sur un certain nombre de territoires, un certain nombre de communes ou un certain nombre de saisonnalités, sachant que le délégataire, par exemple, lors des derniers concerts, a joué des adaptations de noria de bus lorsqu'il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes qui se rendaient à des concerts tardivement le soir et qu'il a mis à disposition sur le budget de délégation un certain nombre d'éléments qui n'ont pas coûté plus à l'agglomération. Il a joué parfaitement le jeu. Donc oui, il y a des adaptations. Oui, il y a des choses à regarder avec les communes. La proposition budgétaire ne les bloque pas puisque nous sommes en période du mois de mai, juin 2022, et qu'on a du travail au moins pour les 3 mois qui viennent pour pouvoir adapter un certain nombre ou de saisonnalités, ou de territoires, ou de lignes, de façon à rendre du service supplémentaire. Donc ce n'est pas une fin de non-recevoir, c'est un calibrage budgétaire qui nous permet non pas de satisfaire au dogme de la précaution, mais de nous donner des capacités de possibilité. Bien, merci. D'autres interventions ? Arthur Boisneveu. Oui, merci Monsieur le Président pour répondre à Jean-Marc, parce qu'effectivement, il y a peut-être des marges de manœuvre dans le budget actuel et en relation avec le délégataire. Pour autant, quand Alain Acaraco, qui est absent aujourd'hui pour des raisons médicales, nous a présenté lors du DOB les différents besoins des communes, on était largement au-delà des 400-500 000 euros dont tu nous parles. On était à 340 000 euros rien que sur les monts, la Tessonnière, Sona, l'amélioration de la ligne A et de la ligne 2. Et ça ne comprend pas. À la fois les demandes sur l'amélioration des bus sur la A, la B, la C, la D et la 1, notamment les week-ends et en soirée, et qui coûte, selon Alain Caraco, pour l'instant au moins 1,2 million d'euros par an. Un bus en heure de pointe sur la ligne D, là c'est pareil, on a aussi encore des recherches en termes de financement, mais ça va coûter quand même un certain budget. L'amélioration, et je suis bien placé pour en parler, du réseau de transport qu'il y a sur le sud de l'agglomération et notamment sur les communes de Barbera, Saint-Baldoff et Laravoir, parce qu'on a perdu plus de 26% de nos bus depuis la nouvelle DSP, alors que la population, dans le même temps, l'augmente de 14%. Et donc ça pose quand même des questions avec la nécessité, à terme, d'augmenter le budget alloué aux délégataires pour qu'on puisse avoir une meilleure desserte de nos différentes communes. Moi, je salue quand même le travail qui a été fait d'essayer de finement essayer de trouver des marges de manœuvre à des coûts qui sont parfois réduits hein, pour desservir les Hauts-de-Sona ou desservir certains quartiers de la mode Servolex. Mais acceptons quand même d'avoir ce débat et de se dire que quand on a mis 5,3 millions de provisions alors que l'année précédente, on était en dessous des 4 millions, d'essayer de prendre 300 000 euros pour commencer à avancer un petit peu, développer l'offre de transport dans les quartiers qui en ont le besoin parce que quelles que soient les sensibilités politiques des élus ici autour de la table, il y a des besoins d'amélioration de la desserte de bus dans certains quartiers. On
On peut sûrement se rejoindre et on parle sans doute de la même chose en partie, parce qu'il y a des améliorations à faire, des améliorations à cibler, à quantifier, et ça ne se met pas en place tout à fait d'un coup de baguette magique, mais le dispositif n'est pas fermé. Je le redis, il est ouvert. D'autres questions ? Oui, Christophe Pierreton. Après, moi, ça me questionne sur le, voilà, comment se fait le budget et comment ça s'arbitre. Voilà, est-ce qu'on peut en discuter vraiment ? Et puis éviter de mélanger voilà, les eaux pluviales des communes avec les interventions sur le budget mobilité. Enfin, voilà, bon, je pense que ça grandit pas le débat. Mais à un moment, il y a des arbitrages à faire. Le vice-président aux mobilités n'est pas présent. Il charge de transmettre sa parole. Donc je pense qu'en tant que vice-président, il a dû être associé, j'imagine, aux arbitrages. S'il fait cette remarque, c'est que j'imagine qu'il connaît quand même bien son dossier. Voilà, donc on est sur des petites sommes, finalement, à l'échelle. Alors voilà, après, c'est peut-être des questions de principe. On peut l'entendre, mais voilà, il me semble que si on souhaite aussi montrer... à nos habitants qu'on souhaite développer une offre de transport adaptée et plus importante, il me semble qu'il y a des signaux à envoyer. Voilà, alors là, on était sur 0,07%, 0,8% là, de discussion hein, voilà, bon, sur tous les budgets qu'on a pour l'instant évoqués. Il me semble qu'on est relativement sur des choses positives, hein, parce que ça, on pourrait discuter d'autres montants. Là, on est vraiment, il me semble, sur quelque chose d'assez consensuel. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Et je pense que les habitants nous attendent, surtout dans cette période où l'essence est de plus en plus chère, et une période aussi, qui est anxiogène. Donc, il y a des signaux aussi à envoyer sur des quartiers, sur des attentes d'habitants pour qu'on puisse répondre à leurs attentes. Très bien, on a bien entendu et noté. Oui, Alexandre. Alexandre Gennaro. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je pense qu'on est tous conscients, et on l'a évoqué lors du DOB, qu'il faut retravailler cette offre de mobilité. Moi, je rejoins le vice-président aux finances sur le fait qu'il faut, avant de décider d'augmenter le budget, déjà aller voir toutes les communes, regarder quelles sont les marges de manœuvre en termes d'économie, je l'ai dit déjà la dernière fois, et effectivement, pouvoir avoir une photographie globale des besoins avant de réinjecter de l'argent de la collectivité. Comment on fait les arbitrages ? Pourquoi aujourd'hui les lignes qui ont été citées, le Biolay, les Monts, et pourquoi pas une ligne dans les Bauges, pourquoi pas une ligne dans le sud de l'Aglo ? Alors aujourd'hui, le travail a été fait en priorité sur ces lignes-là. Pourquoi ? Moi, je sais que j'ai été visité il y a 18 mois, je n'ai pas eu de retour. D'autres maires aussi. Donc moi, ce que je demande, Monsieur le Président, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir un état des lieux sur la globalité du réseau, avec les coûts par commune et par ligne, pour qu'on puisse avoir différents scénarios, qu'on puisse faire pour le prochain vote de budget, et même peut-être avant, si le travail peut être fait plus rapidement, qu'on puisse prendre une vraie décision. Comme l'a dit le vice-président aux finances, rien n'est figé. On vote un budget aujourd'hui, mais on a de la chance, on a des excédents, donc on va pouvoir réinjecter de l'argent. Mais je pense que dans un souci d'équité, il faut aussi que le travail soit fait sur l'ensemble de l'agglomération et non pas sur certaines lignes qui ont été choisies, on ne sait comment. Je vous remercie. Bien, d'autres interventions ? Oui, Arthur Bonneveu. Il y a différents budgets, donc c'est vrai que quand on commence à débattre sur celui des mobilités, moi je pensais qu'il y avait d'autres interventions, mais s'il n'y en a pas, je vais plutôt vous parler du budget de l'eau. J'en ai échangé déjà avec Daniel cet après-midi. J'ai bien noté qu'on a quand même beaucoup échangé lors du DOB sur la question des mobilités et qu'on ne s'est pas vraiment attardé sur les autres budgets, et notamment le budget de l'eau.
et de l'assainissement qui peut quand même poser des questions aux élus que nous sommes. Alors je précise tout de suite en introduction cette intervention, elle n'est en rien une critique du service des eaux, de la qualité du travail des agents, de sa directrice, avec lesquels on travaille dans d'excellentes relations, que ce soit les élus, les services des différentes communes, et puis ni du président Daniel Rochex, que je remercie parce qu'on a des vrais échanges de qualité, malgré le fait que nous n'avons pas voté le rapport sur la CLECT. Et puis, on a vraiment une qualité des échanges, qui a, notamment dans la régie de l'eau, où à chaque fois, il y a des présentations qui sont claires, il y a des explications, même si on ne les partage pas, on arrive quand même à bien comprendre les choses. Moi, j'ai une interrogation. Sur le produit des ventes d'eau, les augmentations qui nous ont été présentées, qu'on a votées l'année dernière sur les tarifs d'abonnement, elles ont permis de percevoir 10% de plus que ce qu'on avait prévu dans le budget prévisionnel. Quand on fait la comparaison avec le compte administratif, c'est un niveau historique de recettes et de surplus depuis la fusion entre les deux communautés de communes. Quand on regarde le compte administratif 2021, on observe que l'écart entre le BP et le CA ne cesse d'augmenter, et l'épargne brute, elle s'envole aussi. L'écart entre le BP et le CA en 2017, il était de moins 95 000 euros. On avait eu moins de recettes que prévu. On passe à 1 700 000 en 2021. Qu'est-ce que sera l'avenir? Je ne sais pas. En tout cas, avec les prévisions de recettes qui sont indiquées, je pense qu'on aura un écart entre le BP et le CA qui sera encore plus important. Parce que les recettes qui sont prévues sur 2022, elles sont de 16,6 millions. Elles sont supérieures à ce qui avait été prévu l'année dernière. Par contre, elles sont inférieures au compte administratif 2021. Et à titre personnel, ça m'interroge, parce qu'il est bien visible dans le budget que l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'assainissement, elle permet de financer la PPI très ambitieuse via une amélioration considérable de l'épargne nette. On est passé à 1,7 million d'épargne nette en 2017, à 4,8 millions en 2021. Et cette frilosité, si je peux me permettre l'expression, sur les prévisions de recettes de tarification, elle m'interroge parce qu'on va avoir des nouveaux compteurs qui seront plus fiables, donc qui comptabiliseront davantage les mètres cubes. Les tarifs augmentent et la consommation des ménages, elle ne devrait pas évoluer grandement à la baisse. Et je note qu'on n'a pas, par exemple, de grandes campagnes de communication sur des économies d'eau. Donc il y a fort à croire que les recettes qui sont indiquées dans le BP sont en partie sous-estimées. Et pour rappel, pour une famille de 5 personnes comme pour un ménage seul, les tarifs qu'on a votés l'année dernière vont impacter à la hausse les usagers. Si on prend l'exemple d'une consommation de 30 mètres cubes par an, pour un couple, pour une personne célibataire, ça sera 22% d'augmentation entre 2018 et 2026. Et pour une famille de 5, on est environ sur 10% d'augmentation des coûts qui seront liés à l'eau. Je ne vais pas vous refaire un détail et un explicatif de chacune des hausses, mais en tout cas, voilà, on est sur parfois des hausses qui sont importantes. Et elle a été rendue nécessaire parce qu'il y a plusieurs secteurs de l'agglomération qui nécessitent de lourds investissements et que la solidarité intercommunale, elle doit jouer, faute d'investissements suffisants sur les derniers mandats. Et je note que si les investissements sont nombreux cette année, et encore plus que les années précédentes, c'est aussi parce qu'on fait un achat massif de nouveaux compteurs d'eau pour 4,5 millions d'euros. C'est 25% de l'enveloppe d'investissement, parce qu'en fait, aujourd'hui, à mes yeux, on doit assumer la carence de la dernière décennie sur le renouvellement des compteurs qui n'a pas été fait. Et cet investissement, il est indispensable, parce qu'il permettra de faire des économies de fonctionnement, parce qu'à terme, on aura moins besoin de personnel pour aller relever les compteurs. Mais cet investissement est un investissement qui se verra plutôt sur le long terme, sur les gains économiques, et on n'aura pas sur 2022-2023 de forts gains, parce que les compteurs qui sont vraiment vieux sous-estiment au maximum entre 5 et 10% de la consommation. Mais du coup, au-delà de ces investissements qui sont nécessaires, moi je ne me retrouve pas dans ces choix qui ont été faits, en fait, de concentrer sur les prochaines années du mandat sans que ça fasse vraiment l'objet d'un débat et qu'on nous ait présenté les options en nous disant qu'à terme, on ne pourrait pas augmenter la fiscalité, qu'on ne pourrait pas augmenter les taxes sur dans différents budgets. Qu'on concentre autant d'énergie, de moyens humains et financiers, d'investissement sur l'eau et l'assainissement. La première question que je pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des investissements qui peuvent être reportés, qui ne sont pas nécessaires et qui ne nécessitent pas ces 6 millions d'euros par an sur l'eau et ces 7,5 millions d'euros par an sur l'assainissement.
Depuis plus d'un an, les demandes d'investissement sur différents sujets de l'agglo ne semblent pas prioritaires, à l'exception notable de celle sur l'eau, où on peut rapidement faire avancer les dossiers des communes, et je peux en attester sur les questions de l'eau. On peut dépenser allègrement tous nos projets peuvent avancer. Et cette concentration de moyens, elle est notamment permise par des hausses significatives de tarifs pour les usagers, qui n'a fait réagir quasi personne quand on les a votés, et je dois avouer que moi le premier. Et je dois vous avouer que je ne soutiens pas le fait qu'on puisse voter autant de moyens sur le budget de l'eau et de l'assainissement, quand en parallèle on nous fait comprendre que les investissements sur les mobilités douces, sur l'accélération de la transition écologique, sur le développement des politiques en faveur des quartiers de la politique de la ville, soient pour partie renvoyés aux calendes grecques, ou parfois sur des budgets qui sont gelés ou trop faibles. Et je suis certain que certains me sortiront l'argument de « l'eau paye l'eau », et qui sera brandi, mais je considère, moi, qu'il est injustifié, parce que le choix, en fait, qu'on a fait, il est politique, c'est-à-dire de concentrer toutes les augmentations de fiscalité sur la tarification de l'eau, et plutôt que sur l'impôt. Et si on décide de moins percevoir de recettes des habitants et des entreprises sur l'eau, ça pourrait nous permettre de justifier des augmentations d'impôts et de taxes sur d'autres budgets. Je parle du versement mobilité, de la CVAE ou d'autres taxes qui sont pour partie plus justes et plus progressives. Donc en termes de cohérence, je m'abstiendrai sur ce budget de l'eau, comme je l'ai fait lors du conseil d'exploitation de l'eau. Et je vous remercie. Très bien, chacun bien sûr a des conceptions qui peuvent être divergentes. C'est ce que Jean-Benoît appelait tout à l'heure la démocratie avec le Conseil en disant on arrive à se mettre d'accord. Simplement sur des aspects techniques ou des aspects très techniques du service qui en général a des budgets réfléchis sur le long terme et ne concentre pas sur une ou deux années ses investissements. Je pense que le vice-président en charge peut apporter sans doute des éclaircissements ou des compléments techniques. Oui, donc je remercie Arthur de son intervention et de son questionnement concernant le service des eaux. Cela va me permettre de mettre en évidence effectivement les besoins nécessaires et pour satisfaire tous, nous, les usagers, et les besoins financiers qui pour y répondre. Puis aussi de remercier publiquement, je suis là que c'est en conseil communautaire, tous les agents qui œuvrent avec professionnalisme au sein du service. Alors, concernant une question sur les recettes de fonctionnement en eau potable, il est prévu en fonction d'une assiette. Une assiette de vente d'eau qui est estimée à hauteur de 6,8 millions de mètres cubes d'eau vendue. Cette assiette avait été fixée il y a quelques années par rapport à des baisses de consommation d'eau. Des messes de consommation d'eau par rapport à des usagers et par rapport à des entreprises. Pour 2023, après réexamen de ce qui se passe actuellement, donc l'assiette va être augmentée, donc elle passera à 7,2 millions. Du coup, le budget qui sera prévu sera plus conforme et plus près du compte administratif sur cette thématique. Et effectivement, on l'avait aussi évoqué tout à l'heure, on a un peu la même façon de réagir dans nos communes. On sous-estime certains budgets et on surestime certains d'autres. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un autre élu de la salle qui l'a dit. Et je conçois tout à fait cette politique. Ensuite, sur le fonctionnement, il faut qu'on continue à maîtriser notre budget. Je veux dire, on a une hausse attendue sur les matières premières à venir, dont on est vraiment incertain. On parlait tout à l'heure des compteurs, effectivement, l'achat de matières premières et des compteurs, je pense qu'il y aura une envolée des prix sur ce matériel. Et puis il y a aussi l'inflation qu'il faudra aussi prendre en compte. Alors, effectivement, le budget du service des eaux a une PPI ambitieuse. En eau potable, pour 2022, 7,5 millions, plus les reports, 3,6 millions, aux alentours de 11 millions. En assainissement, 2022, 6 millions. 6 millions de reports, 12 millions. Et ça, pour l'ensemble des 38 communes de l'agglo. Après, au niveau de différentes actions, vous avez eu des tableaux dans les annexes qui correspondent aux projets qui sont menés pour les communes. J'irais, pour certaines thématiques, c'est peu ambitieux. Je prendrais que le renouvellement des réseaux. On a 1 800 km de réseau.
on fait 0,7% par an, 13 km. Et on a un réseau qui est vieillissant, et donc on est au-delà. Pour moi, la PPI, avec le budget que j'ai, est suffisante, mais si c'était moi, personnellement, je demanderais encore plus. Et je pense que ça répondrait aussi aux attentes de tout le monde. Alors, je ne parlerai pas du projet biométhane à l'UDEP, des travaux de sécurisation en eau, que ce soit au niveau de l'Épine, dans le PGRE, au niveau des Bauges, les rénovations et constructions de nouvelles stations d'épuration. Voilà. Donc ça, vous avez aussi le détail par commune dans le tableau. Et je pourrais dire, pour conclure, que comparaison n'est pas raison. Ce qui est vrai pour le budget des services des eaux n'est pas forcément vrai pour un autre budget ou pour un autre vice-président. Merci. Oui, si le vice-président me le permet, simplement une tendance de 2% d'augmentation par an, avec les précautions qui ont été prises en matière de tarification dite sociale, même si le terme est mal choisi, 2% d'augmentation sur la tarification, et compte tenu de la structure du budget, on peut penser que dans les années qui viennent, immédiatement sur les 2-5 ans, et vous l'avez tous intégré dans vos budgets, y compris dans vos appels d'offres, on va plutôt être vers un mécanisme d'augmentation des coûts qui va osciller entre 3,5 et 4 %. Ce qui veut dire que, à l'intérieur de son fonctionnement, investissement ou fonctionnement pur, le service des eaux va prendre à sa charge 50% de la croissance des coûts auxquels il devra faire face. Donc il y a bien un partage entre l'usager et l'agglomération ou le service. Par ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il ne s'agit pas, monsieur le maire, d'un impôt, il s'agit bien d'un tarif sur lequel, indépendamment de la chanson qui consiste à dire « l'eau doit payer l'eau », nous avons une obligation d'un service industriel et commercial pour que la tarification existe et permette le fonctionnement du service. Il n'y a donc pas de switch possible entre une fiscalité quelle qu'elle soit au bénéfice d'un transfert de l'un ou de l'autre et une tarification sur des fonctionnalités précises. Voilà. Donc sur ces aspects, je pense que compte tenu du travail qui a été fait, le service a bien calibré les attentes qu'il y a, les enjeux qu'il y a, et on voit bien que notamment à travers un certain nombre de budgets qui vont nous amener des risques de délabrement ou des risques de détérioration d'un certain nombre d'ouvrages, je pense aux eaux pluviales pour lesquelles nous avons fait un choix pour le moment différent, nous aurons des coûts sur lesquels il faudra faire face, non pas sur ce budget strictement, mais sur le budget général pour réinjecter un certain nombre d'éléments pour y faire face. Et dans des communes qui parfois ont oublié qu'elles étaient soumises à des risques, à des aléas et qu'elles n'ont pas souhaité prendre pour partie en charge sur des sommes qui là aussi étaient résiduelles et qui ont amené le même mécanisme sans décision de participation. S'il y a d'autres éléments, monsieur le vice-président, pour éclairer le débat, nous sommes bien sûr à votre disposition. Y a-t-il d'autres questions sur ces aspects budgétaires? Oui. Christophe Pierre. Christophe, oui. C'est bien normal qu'il y ait un peu de débat sur le vote du budget. Si on ne posait pas de questions, ça serait ça qui serait plutôt inquiétant. Hein. Moi, j'ai trouvé la discussion là, qu'a proposé Arthur Bonneveu intéressante. Alors, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de switch, hein, comme vous avez dit, mais c'est vrai que politiquement, ouais, est-ce qu'on fait peser plutôt sur le VM, sur la tarification de l'eau, sur d'autres. Voilà, politiquement, c'est quand même à nous de le décider. Voilà, donc je trouve au moins qu'on ouvre le débat et qu'on puisse avoir cette vision globale intéressante. Après, c'est pas ce soir qu'on va... Voilà, mais je pense que sur les prochaines années, d'ici la fin du mandat, c'est des questions qu'il faudra qu'on se pose. Après, pour répondre quand même à Alexandre Gennaro par rapport à la proposition des réseaux de bus, alors bien sûr, il faut ouvrir et poser la question à tous les maires, les élus, et qu'on puisse réfléchir de manière globale. Après, il y a aussi des constats. Par exemple, la chrono A que j'évoquais tout à l'heure, j'en ai pas parlé, je suis pas rentré dans la précision, j'ai parlé que des lignes dimanche et pendant les vacances là, juillet-août, mais il y a en temps scolaire, il y a pas mal d'étudiants qui peuvent pas prendre le bus et qui voient y passer le bus parce qu'ils peuvent pas monter dedans. Donc après, il y a des constats aussi qui sont de fait. Il n'y a pas besoin d'avoir... Il y en a qui ne sont pas desservis, donc on ne connaît pas le besoin, mais il y a aussi des lignes, on connaît le besoin parce que les gens restent sur le quai, quoi.
Voilà. Donc après, il y a des petits ajustements comme ça qui mériteraient quand même d'être pris en compte. Parce que ça, c'est pas une très bonne image aux heures de pointe quand les gens restent sur le quai, qu'ils peuvent pas monter dans le bus, quoi. Par exemple, sur la desserte de Technolac. Ok, sur d'autres aspects ou... Oui, Christian Berthomi. Bonsoir, je vais faire court. Je vais être beaucoup moins technique que mes prédécesseurs. Moi, je n'ai pas été consulté non plus sur les besoins. Alors effectivement, j'aurais pu évoquer le fait que les lycéens de... qui partent de la FECLA, de Saint-Jean-d'Arvey ou Thoiry, ils mettaient 20 minutes avant avec un bus direct. Aujourd'hui, ils ont un changement et ils mettent une heure pour se rendre au lycée. Voilà, chacun... voilà. Donc, mais je me replonge sur la préparation, c'est-à-dire sur le DOB. Sur le DOB, on a entendu beaucoup de choses. Et moi, ce que j'avais retenu, c'était... une proposition qui était pour une partie de dire il faut augmenter la VM, il faut mettre plus de moyens, il faut... aujourd'hui, alors moi je découvre hein, ce soir ce qui nous a été présenté, le travail qu'a fait Alain Caraco, et entre ce qu'on a pu entendre au DOB et ce que j'entends ce soir, j'ai pas l'impression d'entendre la même chose. C'est-à-dire que j'ai le ressenti qu'une partie des élus ont avancé en termes de propositions pour dire voilà, on va pas voter contre, on va pas s'opposer, on va pas proposer l'augmentation de la VM, on va simplement dire on garde la VM et on se pose la question de dégager, alors j'ai cru comprendre à peu près 300 000 euros, et de se poser la question comment, une fois qu'on a voté cette proposition-là, eh ben on se met à travailler sur les priorités à mettre en œuvre sur ces 300 000 euros. Il me semble qu'entre le débat qu'on a eu sur le DOB et ce qu'on a ce soir, il y a pour moi, je le ressens comme une vraie avancée, comme la recherche aussi d'un consensus. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, c'est ce vers quoi je souhaite vraiment aller. C'est cette avancée, c'est ce fait que... Je ressentais plus d'opposition la dernière fois. Là, je sens une véritable volonté de converger, d'aller vers une position qui soit commune et partagée par tous. Et moi, j'y suis très sensible. Voilà. Et je voulais simplement exprimer ça. Et je pense que c'est aussi important d'entendre que un certain nombre d'élus... Alors, moi, je ne cherche pas à savoir s'ils sont d'un bord, d'un autre, etc. Vous savez que mon positionnement, il est projet, mais ça mérite, en tout cas, ce soir, d'avoir une écoute à cette proposition qui est faite. Voilà, je m'arrête là, merci. Très bien, merci. Merci, merci. Dernière intervention, où je conclue. Non ? Bon, très bien. Eh bien, oui. Allez, une dernière. Parce que j'ai parlé sur les budgets mobilité haut, mais par contre, je voulais quand même faire une intervention sur le budget général, rapidement. Déjà, je voulais vous remercier parce que quasiment toutes les demandes que j'ai formulées lors du DOB ont été répondues, c'est-à-dire les courbes d'extinction de la dette qu'on n'avait pas eu l'année dernière, qu'on a eu cette année, et c'est hyper instructif, donc merci beaucoup. La liste des associations qui sont financées par l'agglomération, il ne me semble pas qu'on l'avait l'année dernière, on l'a eu cette année, donc je vous remercie. Quand les choses vont, il faut aussi le dire. Juste vous préciser que le budget, effectivement, il est didactique et synthétique. Par contre, on a... pas, comme dans certaines des communes, je ne sais pas si c'est dans l'ensemble des communes, des tableaux avec le CA de l'année précédente, le CA de l'année d'avant, et puis le BP pour qu'on puisse faire des comparaisons. Il n'y en a qu'un seul de tableau comme ça, je crois que c'est sur le budget de l'assainissement. Mais sinon, sur tous les autres budgets, on n'a pas de comparatif CA-BP, et ça a quand même ça me paraît nécessaire, quand on est élu et qu'on n'est pas dans l'exécutif, de regarder aussi et de comparer. Donc si on pouvait avoir ça l'année prochaine, ça pourrait, je souhaiterais que ça puisse être accédé. Et puis j'ai une question sur une des associations qui est financée, c'est la Transalpine. Est-ce que c'est une subvention qui est contractuelle
comme l'AREA, ou est-ce que c'est une subvention parce qu'il y a eu une demande, demande de subvention? Parce que qu'on soit pour ou contre Lyon-Turin, moi j'ai quand même des difficultés avec une association qui est à la limite de l'injure des élus qui ne sont pas favorables au projet qu'elle soutient. Sur les réseaux sociaux, quand on est une association publique, on ne doit pas insulter sur Twitter, sur Facebook, les élus parce qu'ils sont écologistes, parce qu'ils sont contre tel ou tel projet. On ne doit pas se permettre de s'exprimer comme ça. Et c'est assez régulier que le compte de la Transalpine sur Twitter soit aille dans ce sens-là. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai cette question, ce questionnement pour savoir si c'est, une, si c'est contractuel ou si c'est une subvention propre pour cette association. Merci. Avant de conclure, je vais répondre sur ça. C'est bien, ça me fait réagir sur la Transalpine. Si effectivement, il y a ce type de propos sur les réseaux sociaux, on ne peut pas accepter d'apporter des subventions sur une telle association. Soit effectivement on la subventionne, elle est partenaire, elle est là pour nous aider à développer notre, nos politiques. Et je fais le parallèle avec l'association Roue Libre qui tient aussi des propos injurieux et très orientés. Et de la même façon, on va se poser la question s'il faut continuer à aider de telles structures. Mais moi je suis très sensible à ça et je, personnellement j'alimente pas les réseaux sociaux pour, parce qu'on sait que ça va très vite en escalade. Et ça finit toujours par des propos injurieux, voire racistes, quand on regarde, quel que soit le sujet, quand on lit les commentaires. Je ne parle pas spécialement ni de la Transalpine, ni de Roulis, pas du tout, mais d'alimenter les réseaux sociaux, on sait souvent comme ça finit, donc il faut qu'on soit très vigilant. Donc effectivement, une collectivité comme la nôtre ne peut pas financer des associations qui jouent ce jeu-là. Donc on va éveiller. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, il y avait, alors c'était le cas pour un certain nombre d'éléments non figés budgétairement, pas forcément conventionnés, pas forcément avec des principes de transfert, d'attribution de compensation dans un sens ou dans un autre, mais il y avait des engagements d'honneur à participer. C'est donc, ça doit être l'antépénultième mandat sur lequel il y avait une participation qui avait été décidée. Alors, pérenne, on ne peut pas préjuger de ce qui sera fait 10 ans ou 15 ans après, mais les présidents en exercice s'étaient engagés à ce qu'il y ait une participation sur un travail co-construit dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'ils perdure une subvention à ce stade, mais avec les nuances que vous avez évoquées, ce qui est vrai pour toutes les associations, à partir du moment où on joue contre, on peut s'interroger sur le fait qu'il faille continuer à donner à qui que ce soit. En plus, vous me dites que c'est une adhésion. C'est donc une adhésion, donc il y a un mécanisme de rétraction si on doit le traiter. Bien. Alors voilà, avant de passer au vote, on a une série de votes à réaliser dans un ordre bien précis. Moi, juste ce que j'ai entendu, hein, voilà, ben, merci encore de la qualité de ces interventions, du travail qui a été réalisé par certains d'entre vous. Je reviens juste sur les mobilités. Hein. Moi, effectivement, j'ai pas une vision globale, je le redis. C'est pas structuré ce qu'on me présente aujourd'hui. J'ai besoin d'y voir plus clair, j'entends un peu de tout, chacun y va de son couplet. D'autres ont fait des réunions publiques où on n'a pas voilà, très peu de personnes présentes. Donc là aussi, ça questionne, est-ce que c'est un vrai sujet finalement, cette mobilité? Enfin, moi, j'en doute pas une minute que c'est un sujet, bien sûr. On entend aussi des associations plus des associations ou des collectifs militants donc qui défendent certains sujets bien précis ou des quartiers bien précis. J'ai pas cette visibilité là qui permet de dire oui, on va mettre plus, encore plus que ce qu'on a prévu sur ce projet mobilité. Par contre, je suis bien convaincu qu'il y a, et j'entends qu'il y a une demande d'amélioration de cette offre, et je vais, comme je me suis engagé suite à l'approbation du projet d'agglomération, entamer cette tournée régulière par secteur, et donc ces réunions de secteur pour écouter, entendre les maires sur l'ensemble des secteurs de l'agglomération et pour me forger aussi ma propre opinion et en faire le retour auprès de l'exécutif de manière à pouvoir
arbitré et priorisé. Et ça, ça en fera partie. Et donc, c'est un des premiers travaux à faire, puisque je vois, depuis le DOB, ça revient, la mobilité, beaucoup moins sur les autres, sur le budget général ou sur les autres budgets. Donc, évidemment, il y a un vrai sujet de ce côté-là. Moi, je veux aussi être prudent. Et certes, on a de la marche, ça a été bien vu, vous l'avez vu, on pourrait faire des transferts, certainement, mais je veux avoir et gérer, comme on dit, en bon père de famille, ce budget-là, avec ce qui s'annonce. On vient de recevoir hier ou aujourd'hui un courrier du ministre des Transports qui nous met en garde à cause du prix, bien sûr, des carburants, en forte hausse, vous le savez, et donc de voir dès à présent l'impact qu'il va y avoir sur les transports en commun, de voir avec nos délégataires comment on peut gérer ça dès maintenant au mieux. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on soit très prudent, et la prudence sur les années précédentes eh bien, nous permettent d'avoir ce budget, d'avoir franchi la crise Covid, évidemment. Et j'espère que c'est terminé. Et puis, ce qui s'annonce devant nous, on a pas mal d'incertitudes, vous le savez tous, et c'est bien d'avoir un budget relativement prudent et de pouvoir, je ne dis pas une fois qu'on aura, si je reviens à la mobilité, d'avoir cette vision et d'avoir de prioriser, bien évidemment, de dégager des sommes supplémentaires si elles sont nécessaires, mais de le faire ensemble. Voilà, je ne vais pas, en dire plus sur la mobilité, mais bon... J'insiste quand même là-dessus. Et je crois que notre budget, il est ambitieux. Sur les investissements, les autres investissements, bon, ça a été répondu, sur l'eau potable, l'assainissement, on a des contraintes aussi, on a des contraintes réglementaires. Peut-être qu'on sera obligé de revoir peut-être à la baisse certains investissements, parce que vu les... Je ne sais pas, mais... L'augmentation des matériaux, on commence à voir poindre des demandes d'avenants d'entreprises qui ne sont pas de l'ordre de quelques pourcentages, mais qui sont à deux chiffres. Et là, il va falloir aussi se questionner, parce que augmentation du coût des matériaux, des travaux en cours, hein, pas que sur l'eau et l'assainissement. Ça, c'est la nouvelle de la journée. Bon, on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'on va devoir freiner par la force des choses. Voilà, sinon, ce budget, moi, j'ai plutôt... J'ai plutôt le sentiment de fierté par rapport à ce budget qui est présenté ce soir, parce qu'il permet de maintenir un très haut niveau d'investissement. On peut le faire sans augmenter la fiscalité. On peut le faire sans avoir recours à l'emprunt. Et puis également avec l'objectif d'un désendettement, puisque ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, on le voit à travers les actions qui sont fléchées de notre projet d'agglomération, ben, on va dans le sens, ça y est, on amorce d'aller dans le sens de la préservation de notre cadre de vie et de s'engager dans la transition écologique. Et je crois qu'on est déjà quand même très, très engagé. On va poursuivre ça. On est tous d'accord là-dessus. Moi, j'ai pas entendu dans les débats des personnes qui disent... qui se positionnent en disant « non, il faut ralentir » ou « il faut y aller peut-être un petit peu moins fort ». Et c'est par le biais de nos actions que l'on s'engage dans les différents budgets et à travers... Et on le verra aussi, on a un rapport hein, sur la transition écologique hein, qui va venir, sur les objectifs qui vont être les nôtres pour la suite. Je pense qu'on est déjà très engagé. On prend notre responsabilité et on... donne notre part d'engagement à l'équilibre, à l'effort national aussi qui est fait sur cette transition écologique et énergétique. Voilà ce que je voulais dire et vous remercier de toutes ces interventions et du travail réalisé. C'est vraiment pas simple de mener de tels budgets. Et c'est extrêmement compliqué, donc merci aussi de votre attention, de votre concentration, parce que quand on n'est pas spécialiste, eh bien, ça demande un sacré effort. Voilà, maintenant, on va procéder au vote dans l'ordre.
Hein, je vous laisse peut-être afficher, non ? Alors, ouais. C'est le rapport numéro 11, le projet de rapport numéro 11. Oui, oui. Oui, accordé, 10 minutes. Oui, ok. La séance est terminée. Si vous voulez bien rejoindre vos places. Alors, allez. Allez. Nous reprenons. Du vote. Oui, comment on va passer au vote ? Alors là, à l'instant T, on a 51 personnes présentes, 19 pouvoirs et 12 absents. Voilà. Bon, donc on passe au vote. D'abord, le vote des comptes de gestion. Oui, il s'agit d'attester que les comptes de gestion de Grand Chambéry, du budget général, des budgets de régie de l'eau, de l'assainissement, des ordures ménagères, des bauges et du budget annexe transport dressés pour l'exercice 2021 par le responsable du service de gestion comptable de Chambéry, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de la part. Très bien. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Non et non. Merci. Le rapport numéro 12 est un rapport de présentation des comptes administratifs et des budgets primitifs 22. Et il est dans la délibération, il est proposé pour le rapport numéro 12 de prendre acte de la transmission du rapport de présentation des comptes administratifs 2021 et des budgets primitifs 2022 qui ont été joints en annexe. C'est prendre acte de la transmission du rapport, des rapports de présentation. Donc pas de vote. Pas de vote. Prends acte. Dans le rapport numéro 13, pour lequel nous allons demander au président de sortir pour qu'il s'isole. Il s'agit de l'approbation des comptes administratifs et la délibération est ainsi libellée au projet numéro 13 d'adopter les comptes administratifs 2021 de Grand Chambéry déclarés conformes aux comptes de gestion du responsable de gestion comptable de Chambéry pour le budget général, le budget annexe transport, le budget de la régie de l'eau potable, le budget de la régie de l'assainissement, le budget des ordures ménagères des Bauges, clôturé le 31 décembre 2021 et intégré dans le budget dit budget principal. Donc c'est les comptes administratifs 2021 présentés. Opposition, abstention ? On considère que c'est de l'unanimité. Merci. On peut rappeler le président. Le projet numéro 14 qu'on va enchaîner, c'est la clôture du budget d'ordures ménagères des Bauges, comme cela vous a été présenté, de clôturer le budget ordures ménagères des Bauges codifié 04600 dans l'application Helios du responsable du service de gestion comptable de Chambéry, d'autoriser le président ou son représentant à signer les documents afférents permettant la mise en œuvre de cette nouvelle délibération. Il n'y aura donc plus à partir du 1er janvier
janvier 2022 de spécificité ordures ménagères des Bauges intégrée à l'ensemble de la fonctionnalité budget ordures ménagères. Bien, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, des abstentions ? Non plus, merci. Le rapport numéro 15, qui est l'affectation des résultats 2021 pour le budget principal. Compte tenu du tableau et des présentations qui ont été faites, il vous est proposé d'affecter la somme de 22 032 395,02 € au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé et de reporter le solde, soit 10 507 734,17 € en recettes de fonctionnement par une inscription au 002 excédent de résultat de fonctionnement reporté. Y a-t-il... C'est moi qui me vote, donc on les vote d'un coup. Hein, c'est oui, ça non, non. Non. Un par un. Un par un. Donc d'abord le rapport numéro 15, affectation des résultats 2021 sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, des abstentions ? Non plus. Merci. Le rapport numéro 16, affectation des résultats 2021, budget annexe mobilité. Il est proposé au Conseil communautaire d'affecter la somme de 0 € au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé et de reporter le solde, soit 5 669 704,70 € en recettes de fonctionnement par une inscription au compte 002. Bien, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Au projet de rapport numéro 17, affectation des résultats 2021, budget autonome de la régie de l'eau potable. Il vous est proposé d'affecter la somme de 4 217 140,02 € au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé et de reporter le solde, soit 4 541 824,68 € en recettes de fonctionnement par une inscription pareille au 002. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Rapport numéro 18, similitude, affectation des résultats 2021, budget autonome de la régie de l'assainissement pour les sommes afférentes, d'affecter la somme de 7 227 517,30 € au financement de l'investissement par inscription en excédent de fonctionnement capitalisé et de reporter le solde, soit 4 040 916,85 € en recettes de fonctionnement par une inscription en 002. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Projet numéro 19. On change d'année. C'est le budget primitif 2022 qui va solliciter l'approbation du budget principal. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le budget primitif 2022 du budget principal, chapitre par chapitre, que vous avez eu en présentation et en document, avec des opérations individualisées en sections d'investissement, le montant du budget étant fixé comme indiqué ci-dessus et conformément au rapport de présentation, d'autoriser dans son article 2, le président a procédé à des virements de crédit entre chapitres budgétaires dans la limite de 7,5% des dépenses, ceci pour éviter les DM, des dépenses réelles, des sections de fonctionnement hors charge de personnel et d'investissement conformément à la réglementation en vigueur pour les budgets relevant de la nomenclature que nous appliquons à partir de cette année, la nomenclature dite M57. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, des abstentions ? Très bien, merci. Le rapport numéro 20.
qui est une modalité de fonctionnement, création et modification annuelle des autorisations de programme, dite AP, du budget principal. Il est proposé au Conseil d'approuver les montants des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits tels que présentés ci-après. C'est le tableau qui est dans la délibération sur la page suivante. L'AP portant sur les aides à la pierre déléguées de l'État font l'objet d'ajustements symboliques de leur plafond correspondant aux échéanciers qui ont été réécalés avec le vice-président et le service suivant leur programmation. L'AP, je vous passe le numéro à un certain nombre de chiffres, est porté à 5,3 millions d'engagements, soit un abondement 2022 de un abondement de 2 650 000 correspondant au montant annuel jusque-là retenu. L'AP qui va bien est ajustée à hauteur de 1 360 pour correspondre au budget primitif à prévoir en 2022 afin de solder les engagements qui étaient à payer dans le cadre de cette AP. Je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Le projet 21, qui est le vote du taux de la taxe sur le foncier bâti, dit TFB, pour 2022, et de voter et de maintenir le taux de la taxe sur le foncier bâti à 2,30% pour l'année 2022. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Le rapport de 22, c'est le vote du taux de la taxe sur le foncier non bâti pour 2022 qui lui est aussi proposé à voter en maintenant le taux en vigueur à hauteur de 3% pour l'année 2022. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus, merci. Le rapport numéro 23, qui est le vote du taux de la cotisation foncière des entreprises, dite CFE, pour 2022. Il vous est proposé de voter et de maintenir le taux de la cotisation foncière CFE à 27,7, qui est le ripage des restructurations des quantums budgétaires entre le département et puis les collectivité dite de base, de capitaliser une réserve de taux de 0,12. Le mécanisme de capitalisation de cette réserve de 0,12 fait qu'on n'abandonne pas cette possibilité de se donner un espace supplémentaire fiscal si on en a besoin. On ne perd pas ce 0,12 qu'on n'utilise pas cette fois, on le reporte en possibilité à agréger sur une évolution ou une augmentation de taux éventuellement ultérieure. D'où le terme de capitaliser une réserve de taux de 0,12. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Le rapport numéro 24 qui a trait à la TOM pour 2022, il vous est proposé de maintenir le taux unique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 8,28 pour l'année 22 à l'échelle des 38 communes du territoire communautaire. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Merci. Le rapport numéro 25, budget primitif 22, approbation des budgets autonomes de la régie de l'eau potable et de l'assainissement. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les budgets primitifs 2022 du budget autonome de la régie de l'eau potable et du budget autonome de la régie de l'assainissement par chapitre présenté, le montant du budget étant fixé comme indiqué ci-dessus et conformément au rapport de présentation. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Deux abstentions ? Trois abstentions, c'est ça ? Vous n'avez pas de pouvoir ? Non ? C'est bon. Ok. C'est noté. Donc trois abstentions. Trois abstentions. Donc okay. C'est validé. Merci. Ok. Le projet de rapport numéro 26, budget primitif 2022, approbation du budget annexe mobilité. Il vous est proposé d'approuver le budget primitif 2022 du budget annexe mobilité par chapitre présenté, le montant du budget étant fixé comme indiqué ci-dessus, conformément au rapport de présentation qui a été fait. Demande d'intervention. Christophe Pierton. On vous propose un amendement dans le sens des interventions de tout à l'heure avec 5 millions qui resteraient sur la dotation sur la ligne 68 et
354 000 euros qu'on pourrait injecter dans le budget de fonctionnement. Voilà, c'est et mettre ça au vote avant de voter le budget, cet amendement. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de... Je vous remercie. Ok. Enfin, moi, je redis ce que j'ai dit, hein, qu'on allait... Ça nécessite des arbitrages entre nous, d'avoir une visibilité sur la totalité, que ces 354 000 euros, on peut aussi envisager en cours d'exercice de faire une DM. Hein, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de la faire parce qu'on aura fait des économies. Parce que là, on va regarder ça de très près, comme je vous l'ai dit, avec le vice-président en mobilité. On va aller rediscuter peut-être avec nos délégataires. On va chercher à faire d'autres économies, voire peut-être de nouvelles recettes. Et cette somme, une fois qu'on y verra clair, bien effectivement, on pourra peut-être même la dépenser sur l'exercice de 2022. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est... voilà, fort de ça, est-ce que vous maintenez cette position-là et cette demande d'amendement sur cette proposition que je vous fais, de voir si, de l'engager par une DM, si le besoin s'en fait sentir et une fois qu'on aura une visibilité et qu'on aura arbitré. Donc voilà en tout cas ce que je vous propose et je le mets au vote tel que. Hein. Je mets le budget au vote avec cette proposition. Non, moi je maintiens le tel qu'il est présenté là, le budget, et en disant, bon, il y a cette somme de 354 000 euros, c'est 350 000, on ne sait pas combien ça sera exactement, mais en cours d'exercice, on s'autorise, si le besoin s'en fait sentir, à aller sur des DM. Le besoin est avéré. Oui, Aurélie. Si le besoin est avéré. Merci. Merci pour la proposition, qui va dans le sens, effectivement, de notre souhait. Néanmoins, sur ces questions de mobilité, ça fait un moment qu'on en discute, qu'on est toujours bloqué au même niveau de stade d'arguments. Et je pense qu'il faut, Audrey, aussi prendre un engagement à ce qu'il y ait un travail approfondi, conséquent, pour qu'on puisse rapidement avoir une vision objectivée avec l'ensemble des retours des maires, l'ensemble des chiffrages qui ont été demandés. Et sur votre proposition de réétudier via une DM, il faudrait qu'on puisse avoir une échéance. Parce que du coup, ça a été échangé dans les discussions. Il faut que ça aille quand même assez vite pour qu'on puisse avoir des réalisations concrètes dès 2022. Ça peut être septembre. Oui. Donc c'est bien ce que je vais demander au vice-président de la mobilité, de travailler ardemment sur ce sujet. Et les premières réunions de secteur, je vais les enclencher dès le mois prochain. Voilà, avec des dates à caler. Oui, bien sûr, oui, avec les services. Oui, je ne vais pas travailler tout seul, avec le VP. Oui, bien sûr. Bien, voilà. Donc, je vous soumets ce vote. Non, moi, je vous propose de ne pas changer ce qui a été présenté sur le budget. Voilà, il y a une demande, je souhaite la traiter de cette façon-là, et puis chacun votera comme il le souhaite, mais je présente ce budget tel qu'il a été présenté par le vice-président aux finances. Oui. Techniquement, je pense qu'on peut préciser la chose suivante. Le président propose de voter le budget en l'état de la proposition, en se donnant la possibilité d'une DM à hauteur de 300 ou 350 000 euros, en fonction de l'analyse fine faite avec l'ensemble des territoires, de manière à se donner la possibilité d'étendre le budget à hauteur de 350. Et on peut dire, compte tenu du délai, certainement en septembre
maximum 2022. Bien. Jean-Benoît Cérineau. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est une acceptation de l'amendement sans le voter, à condition que le tour de piste, à condition que le tour de piste qui soit fait révèle la pertinence de la démarche des 354 000. Mais au fond, président, vous vous engagez à les mettre sur la table si c'est pertinent. Voilà. Si ah ben c'est oui. pertinent et si c'est vérifié. Au bénéfice des éclaircissements de Jean-Benoît et de Jean-Marc, voilà la proposition qui est faite. Et si on ne trouve pas d'autres financements, voilà, entre-temps, voilà. Hein ? Ok. Allez. Allez, je soumets au vote cette fois-ci. J'avais déjà conclu. Je rappelle que la possibilité de déposer un amendement, c'est un droit qui est dans le règlement intérieur qu'on a voté en début de mandat. Donc si il y a des élus qui veulent déposer un amendement, ils ont le droit et on doit d'abord voter l'amendement avant de voter le budget. Le budget, c'est une autorisation de programme. On ne peut pas dépenser plus que ce qui a été inscrit au budget. Donc si l'année dernière, on a dépensé 99,7% de ce qu'on devait donner aux délégataires. Donc là, on est au plafond, au taquet, et s'il y a un besoin, effectivement, il faudra passer par une DM. Sauf que si on repousse les débats et les échanges à des discussions avec l'ensemble des maires, on n'aura aucune DM dans l'année. Hein. Ah non, mais pourquoi il y a des maires qui sont plus importants que d'autres ? Alors, j'ai fait des demandes, les miennes ne sont pas dans les premières propositions, Brigitte, donc je ne suis pas là pour défendre mon biftec. Au contraire, il y a des communes qui ont des... regarde ce que Alain nous avait proposé. Structurellement, une DM, ça peut être fait en septembre. Hein. Oui, non, simplement, structurellement, je suis désolé de m'inscrire en faux, mais à partir du moment où le travail est fait, où le vice-président a quelque chose d'étayé, une DM, elle peut être adoptée parfaitement en septembre, et donc elle modifie la dotation budgétaire annuelle. Voilà. Même si on est dans une commune du sud de l'agglomération, c'est quand même aussi comme ça que ça fonctionne. La dernière. En fait, le budget, il est voté, sauf que la somme globale est votée, sauf que c'est la répartition dans l'enveloppe. Donc si les 350 000 euros n'étaient pas dépensés, il resterait dans la réserve. Donc c'est juste un affichage politique, oui. Voilà, pour montrer à la population aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui suivent ce qu'on fait, hein, on n'est pas tout seul ici, hein, pour leur montrer qu'on va avancer vers ça. Mais... En fait, ce qu'on se dit, on est d'accord finalement sur le fond, mais c'est juste l'affichage, savoir c'est 5 354 000, est-ce qu'on en flèche un petit peu dans le budget et on prévoit de les dépenser, ou est-ce qu'on se dit qu'on va les figer ? Mais globalement, l'enveloppe est la même. Donc j'ai envie de dire, on est d'accord sur quasiment tout, c'est juste sur l'affichage. Bah, moi, j'ai envie quand même de montrer à la population qu'on a envie d'avancer là-dessus. Quoi. Il me semble que c'est tout à notre honneur. Donc, après, non, on va arrêter. Sur l'amendement, après, normalement, quand il y a un amendement qui est demandé, on le met au vote, et puis on le vote, et puis on... Après, nous, on a prévu de suivre sur le budget, mais au moins sur l'amendement, qu'il y ait une trace quand même de ce vote d'amendement, que ça engagera les choses. Bon, on y va. Moi, je vous le propose en l'état, et l'amendement, si vous votez contre, eh bien, ça voudra dire que voilà, l'amendement, vous l'intégrez. Bon, ok. Ok, alors on vote cet amendement de 354 000 euros, je suis d'accord. Allez, qui est pour cet amendement ? Maintenant. Allez, on compte. Si vous avez des pouvoirs, vous pouvez bien les... Si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez... Vu que vous comptez en même temps, je ne sais pas si vous avez un pouvoir ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, Franck, c'est 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dernière, 18, vous avez 18, 19, 20, 21, 22,
28, c'est ça. Et on avait 51 présents, 19 pouvoirs. Pardon, qui s'abstient ? Oui, pardon. Pas d'abstention, une abstention. Voilà. Ouais. Qui est contre ? J'avais 70 voix, donc l'amendement est donc rejeté. 36 contre et 28 pour. Et une abstention. Oui. Oui, de toute façon, il y a plus de contre que de pour. Voilà. Bien, donc je passe au vote. Ce rapport 26, donc je vous soumets au vote le budget primitif 2022 du budget annexe mobilité. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Une opposition. Des abstentions ? Une, deux. Je crois. 4, donc c'est adopté. Merci. Le rapport numéro 27, vote du taux de versement mobilité, harmonisation du taux à l'échelle des 38 communes au 1er janvier 2023. Il vous est proposé, compte tenu du tableau, de voter l'harmonisation au 1er janvier 2023 du taux de versement mobilité au taux unique de 1,75% sur les 14 communes qui sont ainsi dénommées, anciennes communes comme des Bauges, de confirmer que ce taux de versement mobilité de 1,75% en vigueur en 2022 pour les 24 communes qui l'avaient déjà sera maintenu au 1er janvier 2023, de charger le président, etc. Voilà. Cette décision est mise au vote. Bien, je le soumets au vote. Oui ? C'est quoi ? Une question ? Oui ? Oui, je voudrais simplement demander à ce que l'on attende un petit peu avant d'augmenter cette,
cette taxe, parce que dans les Bauges actuellement, c'est 0%. Il est prévu qu'on puisse le faire en 12 ans. Alors là, on se presse à le faire au 1er janvier 2023, sachant que si c'est voté à l'égalité, on pourra après ça augmenter la taxe, puisque c'est une des conditions pour pouvoir augmenter la taxe. Or, actuellement, comme on a dit, on n'a toujours pas vu le président transport pour venir nous voir, pour voir effectivement s'il serait possible de faire dans les Bauges. Et je pense que si on vote effectivement ce taux, il y a de l'argent qui va arriver, qui devrait pouvoir servir également aux Bauges. Donc on aimerait bien avoir une discussion avec le président d'abord. Donc je voterai contre, et j'ai une voix aussi d'Hervé Ferroplaté qui m'a demandé de voter contre. Bon, ben ok, c'est noté. Allez, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Trois. Des abstentions ? Ok, c'est adopté, merci. Voilà, on en a fini pour les aspects budgétaires. Merci beaucoup. Merci Cécile. Mais simplement, merci, en votre nom à tous, compte tenu des observations que les unes ou les autres ont faites, je remercie les services qui ont travaillé depuis un certain nombre de semaines pour calibrer les éléments, à la fois en termes de flux, d'emprunt, et je pense particulièrement à Julien, aux discussions qu'il y a pu y avoir, sur un travail qui est moins visible, mais beaucoup plus pugnace, Christophe, qui a assuré l'orthodoxie et la cohérence comptable, ce qui n'est pas simple. D'abord parce qu'on change de type de comptabilité, on passe en M57. Ce travail a été important avec la trésorerie, a été important avec les services pour mettre en forme, en place, les différentes modalités, les faire rentrer dans les bons compartiments et les bons axes de façon à ce que ce soit fait. Et puis Cécile qui a coordonné tout ça accessoirement avec le vice-président quand parfois elle avait un avis divergent. Voilà, merci à tous pour ce que vous avez salué comme le travail qui est fait. En votre nom à tous, merci pour l'investissement que vous avez constaté. Merci. On poursuit avec le rapport 28, qui est l'approbation de la charte du parc naturel régional de Chartreuse 2022-2037, la convention cadre de partenariat entre le parc et ses EPCI. Et c'est le vice-président Jean-Pierre Fressos qui va nous faire la présentation. Merci Président. Bonsoir à tous. Bon, on a pas mal parlé des Bauges, un petit peu, encore ce soir. Là, on va parler du massif d'à côté, c'est la Chartreuse. Vous savez que la Chartreuse, elle renouvelle sa charte. Elle va renouveler, en cours de finalisation de renouveler sa charte. Et elle demande à cette nouvelle charte l'adhésion des intercos dont les communes où il y a des communes membres. Je vous lance la délibération. Engagée depuis 2018, la démarche de révision de la charte du parc touche à sa fin. La charte 2022-2037, constituée d'un rapport et d'un plan de parc, a obtenu un avis favorable de l'État et de toutes les instances prévues dans la procédure, y compris lors de l'enquête publique. Elle est maintenant soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités territoriales concernées par le périmètre d'étude, soit 74 communes, 3 villes-portes, 7 intercommunalités et 2 départements. La charte sera ensuite transmise pour délibération au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui arrêtera le périmètre pour lequel il demandera le renouvellement du classement de la Chartreuse en parc naturel régional auprès de l'État pour 15 ans. Pour finir, elle sera approuvée par décret du Premier ministre, officialisant le renouvellement de la labellisation du territoire en parc naturel régional. Dans le cadre de la révision de la charte, il est proposé d'adhérer au syndicat mixte du parc. Cette adhésion entraîne une contribution annuelle calculée en fonction du nombre d'habitants des 8 communes de Grand Chambéry, intégrées dans le nouveau périmètre du PNRC, et d'une valeur de base par habitant et par an à la charge de l'EPCI adhérent, soit 11 487 euros. J'ai envie de dire que c'est anecdotique par rapport aux sommes qu'on a votées. À la charge de Grand Chambéry pour 2022. Grand Chambéry sera représenté au sein du collège numéro 7 des intercommunalités, au comité syndical et au bureau syndical par un délégué titulaire portant une voix délibérative et un délégué suppléant. Les communes de Grand Chambéry incluses dans le périmètre du PNRC sont Vimines, Saint-Cassin, Montagnol, Cognin-Saint-Baldoff, ancienne commune déjà adhérente, et nouvelle commune Saint-Sulpice, Jacob, Bellecombette et Barbera.
Un comité de pilotage a accompagné le processus de la révision de la charte du PNRC en associant les représentants élus des EPCI concernés. Il s'est réuni à 6 reprises entre 2018 et 2021. La pertinence de ce comité de pilotage a montré la nécessité de le pérenniser sous la forme d'un comité des territoires, tel que proposé dans cette nouvelle charte. En effet, le parc et les EPCI apportent de manière complémentaire une vision et des compétences spécifiques pour la gestion de ce territoire de montagne. Un projet de convention cadre de partenariat a été élaboré pour affirmer la nécessaire coopération entre toutes les parties pour l'approbation et la mise en œuvre concrète de la nouvelle charte du parc naturel régional de Chartreuse, à ce jour finalisée. Dans le cadre des orientations fixées par la charte du PNRC, ce comité des territoires sera chargé d'assurer la cohérence entre les conventions bilatérales établies entre le PNR et les différentes EPCI, d'organiser le partage et la coordination des actions et des expériences mises en place sur les différents territoires, d'organiser un suivi partagé de la mise en œuvre des actions de la charte et des engagements de chacune des parties prenantes, PNR et EPCI. Les EPCI membres de ce comité joue un rôle aussi clé pour garantir une meilleure articulation et cohérence entre la charte, l'action communautaire et l'action menée par les communes qui les composent. Ce comité des territoires, composé d'un représentant politique et d'un représentant technique pour chaque structure membre, se réunira en tant que de besoin et au moins une fois par an. Vu les statuts de Grand Chambéry, vu le courrier du PNR de Chartreuse du 3 mars 2022 sollicitant Grand Chambéry pour la validation de la charte du parc 2022-2037 par délibération, il est proposé, article 1, d'approuver sans réserve la charte du parc naturel régional de Chartreuse 2022-2037 ainsi que ses annexes dont les statuts modifiés du syndicat mixte du parc naturel régional de Chartreuse. Article 2, d'approuver le projet de convention cadre de partenariat entre le PNR de Chartreuse et les 7 EPCI concernés et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette convention et tout document à intervenir. Article 3, d'approuver l'adhésion de Grand Chambéry au syndicat mixte du PNR de Chartreuse et le paiement de 11 487 au titre de l'adhésion 2022. Le président propose Jean-Pierre Fraisseau en tant que délégué. Je vais le faire moi. Ah bon, ouais, oui. J'étais un peu gêné aussi, merci. On va s'arrêter là. J'étais un petit peu gêné. Non, mais on adhère déjà. On va le faire en deux fois. On va demander s'il y a des questions ou des interventions sur cette proposition de révision de charte. Parce qu'après, il va falloir qu'on désigne effectivement un représentant au sein du comité syndical du syndicat mixte du parc de la Chartreuse. Est-ce qu'il y a des interventions? C'est des documents qui sont lourds, hein, pas 244 pages. Il y a beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de questions d'intervention. Et puis, il y a autre chose. Effectivement, ils ouvrent donc la gouvernance. Hein, le syndicat mixte du parc de Chartreuse, ils l'ouvrent aux EPCI. Ils ont 7 EPCI, dont le nôtre. Et donc, ils nous demandent de désigner un représentant, un délégué titulaire et un suppléant. Donc, de par sa délégation, je propose que ça soit Jean-Pierre Fraisseau et Franck Mora en tant que délégué suppléant pour siéger au sein du comité syndical du syndicat mixte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des interventions avant que je le mette au vote? Non, c'est bon. Donc voilà, avec ce que le vice-président a déjà lu, hein, c'est-à-dire approuver la charte, approuver la convention cadre de partenariat, approuver l'adhésion à Grand Chambéry, hein, avec une cotisation de 11 487 €, de désigner donc Jean-Pierre Fraisseau en tant que délégué titulaire et Franck Morin en tant que délégué suppléant pour siéger au sein du comité syndical, et de désigner Jean-Pierre Fraisseau pour assurer la représentation de Grand Chambéry au sein du comité des territoires, parce qu'ils ont aussi une instance qui va avec. Voilà, ben je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, je vous remercie. Et on va passer au rapport 29, qui est l'approbation du schéma directeur de transition énergétique 2022-2026 de Grand Chambéry. Et c'est la vice-présidente Aurélie Lemeur qui va nous faire la présentation. Rapide, parce qu'il est tard. Oui, la présentation, s'il vous plaît, monsieur Courtine.
Schéma directeur de transition énergétique 2022-2026 élaboré par nos services et je les remercie vivement également. C'est un outil de déclinaison opérationnelle pour structurer, aider à la décision, arbitrer, engager les fonds pour d'une part la rénovation thermique de nos bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Je vous le refais pas hein, sur les objectifs du PCAET. Il y a un comité de pilotage PCAET et transition écologique, anciennement Citergi, qui assure le portage politique de cet outil opérationnel de déclinaison. C'est une action qui a été retenue dans les actions cœur de cible du projet d'agglomération. Le contenu de la sobriété énergétique et de la réduction des consommations pour atteindre un objectif de contenir la consommation à plus 9% par rapport aux chiffres de 2015, qui sont bien les chiffres de référence du PCAET. Des actions de conversion de nos flottes de véhicules vers des carburations bas carbone, d'amélioration de la performance des équipements, pour maintenir, contenir la hausse des émissions, pareil, par rapport à 2015, à plus 9%, et des actions de massification de la production d'ENR pour produire plus 143% d'énergie renouvelable. Je vous le disais tout à l'heure, on a un potentiel complètement inexploité de production d'énergie renouvelable. Donc c'est la priorité qui est faite sur ce schéma, de pouvoir atteindre un taux de couverture de 20% en 2025 et de 30% en 2030. Dans l'élaboration de ce schéma, nous avons effectivement choisi de mettre l'accent sur ces ENR, étant donné que les objectifs de réduction de consommation et de sobriété énergétique que nous avons sont pour le moment, par rapport aux moyens dont on dispose, difficiles à atteindre. Très concrètement, isoler les bâtiments publics, les gymnases, les équipements sportifs, réduire la consommation énergétique de nos équipements sportifs, c'est très, très compliqué, très cher. Mais si à l'avenir on a plus de moyens aussi, en rapport avec les enjeux qu'on a partagés en début de conseil communautaire, on pourra bien évidemment revoir ce schéma directeur de transition énergétique à la hausse. La projection financière, elle s'établit sur la mobilisation de la ressource de l'UDEP que nous avons votée au conseil communautaire dernier, de 466 000 euros par an, et donc d'un montant global sur la période de 1 864 000 euros. Donc là, vous avez le détail des investissements prévus par type de dépenses sur la rénovation des bâtiments et la réduction des consommations énergétiques. Et puis là, vous avez la projection sur les productions d'énergie renouvelable. Donc c'est un travail transversal qui s'est fait avec les vice-présidents et vice-présidentes concernées, les directions également concernées, car après ça revient bien à chacune des directions et des vice-présidents que de mettre en œuvre ces programmes d'investissement. Merci pour votre attention. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Oui, Aloïs Chassot. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. Oui, c'est vrai que... Je n'ai pas le... Une petite question du coup. Notre territoire avait été pionnier en matière d'hydrogène, avec des stations notamment de recharge. Là, à la lecture du rapport, je ne vois pas apparaître cette ambition sur l'hydrogène.
Il n'y a pas de parti spécifique. Alors, dans le rapport tel qu'il est, dans la présentation, il n'apparaît pas non plus. Il y a une ligne dans le rapport détaillé où on parle d'hydrogène. Mais en tout cas, moi, je ne retrouve pas cette ambition que nous avions en matière d'hydrogène. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était au niveau de cette énergie et de l'ambition de notre agglomération pour développer l'hydrogène. Donc sur cette énergie, il y a un travail partenarial qui est mené entre Grand Chambéry, Savoie Déchets, notamment pour réussir à mettre en place un système de production d'hydrogène vert, donc avec l'appui de différents programmes nationaux, produire et puis ensuite voir comment on peut effectivement consommer cette énergie. Donc le travail est bien engagé et il y a l'adhésion des différents partenaires sur cette opération. C'était au-delà du schéma directeur de transition énergétique, en tout cas dans le portage même de Grand Chambéry, on s'oriente plutôt sur un portage, si je ne me trompe, Savoie Déchets, pour développer cette énergie et cette filière. Je laisse le président compléter. Non, ça a été dit, oui, on n'oublie pas, mais c'est bien de le rappeler, effectivement, c'est une démarche qui avait été démarrée sur le précédent mandat, d'abord à titre expérimental, etc. L'idée a plus que fait son chemin, et là, la transformation pourrait être, donc ce projet dont on parle, dont Pierre Brun travaille aussi activement. Non, on est toujours, toujours sur cette ligne-là, mais c'est bien de le rappeler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? S'il n'y en a pas, je le mets au vote. Donc ce schéma directeur de transition énergétique 2022-2026, est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, merci beaucoup. Ensuite, on va passer au rapport 30 qui est une candidature à un contrat de chaleur renouvelable 2022-2025 auprès de l'ADEME, et c'est le conseiller délégué Pierre Brun qui va nous en faire la présentation. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter effectivement cette délibération candidature à un contrat de chaleur renouvelable 2025-2030 auprès de l'ADEME. Donc il se fait de plus en plus tard, donc je vais faire très court. Déjà, on peut rappeler en préalable quand même que la chaleur renouvelable est un formidable levier pour la transition énergétique, c'est important de le dire, et probablement insuffisamment développé. Et il y a, on peut le rappeler aussi, un objectif dans la loi de transition énergétique et de croissance verte qui est d'atteindre 38% de chaleur d'origine renouvelable en 2030. Et aujourd'hui, on est tout péniblement et tout timidement à peu près à 24%. Ça, c'était juste pour rappeler un petit peu le contexte. Alors ensuite, évidemment, pour développer ces projets de chaleur renouvelable, l'État, avec son bras armé qu'est l'ADEME, effectivement, a mis en place un certain nombre de mécanismes, dont le mécanisme Fonds Chaleur National, mais également aussi... Alors Fonds Chaleur National, je le rappelle aussi, là, c'est un budget d'environ 1 milliard sur la période 2020-2022. C'est 350 millions, ou 340 plus exactement, ça a été revu à la baisse, pour l'année 2022. Mais il y a aussi, au-delà de ce fonds chaleur national, une déclinaison territoriale, et c'est celle qui nous intéresse pour la délibération que je vais vous présenter. Donc ça concerne des projets en fait de trois types, en termes de typologie, c'est des solaires thermiques, c'est de la géothermie, et c'est du bois énergie. Donc il s'agit là bien sûr de petits projets, puisque évidemment sur les 38 communes, il n'y a quand même pas beaucoup de communes qui peuvent se raccorder au réseau de chaleur de Chambéry, et il y a tout intérêt évidemment, et en particulier sur des communes isolées, et je pense aux communes des Bauges, à ce que des petits projets puissent voir le jour, et ça a été le cas, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors à qui s'adresse effectivement cette possibilité de financement? Tout simplement à des personnes morales, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des collectivités locales, et l'EPCI Grand Chambéry joue le rôle en fait de maître d'ouvrage délégué et porte effectivement ces projets, en particulier pour animer déjà évidemment, et puis pour gérer le portfolio. Donc c'est en fait un portage de projets délégués. Que c'est le rôle de Grand Chambéry pour ces projets-là. Voilà. Alors, comment fonctionne le financement?
C'est un financement qui n'est pas un pourcentage sur l'investissement, mais qui est en fait calculé sur la production estimée de ces moyens de production sur 20 ans. Donc avec des taux qui sont évidemment différents suivant que c'est du bois d'énergie qui est rémunéré à 16 euros du mégawattheure, solaire thermique à 45 euros ou la géothermie suivant la technologie entre 20 et 40 euros du mégawattheure. Donc dans le mécanisme de financement, il y a 40% à l'avance, 40% à la mise en service et 20% après un an de fonctionnement, donc en fonction effectivement de la performance des projets qui ont été mis en œuvre. On peut dire aussi que ces aides, elles correspondent à peu près, pour l'ensemble des projets qui ont été réalisés, entre 10 et 60% du CAPEX de l'investissement. Alors, si on fait juste un petit retour sur la période passée, qui est donc 2017-2021, l'enveloppe était de 1,2 million d'euros. Et il y a eu 23 projets de réalisés sur 43, donc ça fait, quand vous calculez, quand vous divisez, ça fait 53,5% de réalisation physique. Et la réalisation financière est de 89,7%. Et il y a aussi un indicateur qui est évidemment très important pour l'ADEME, qui sont les tonnes équivalent pétrole évité, et qui était donc de 66,6%. Donc voilà, il y a un indicateur qui est calculé par l'ADEME en fonction de la démographie et sur ces tonnes équivalent pétrole, effectivement. Et il doit être au minimum de 60%, donc on a atteint les objectifs sur la période passée. Alors la cible était de 6,4 gigawattheures. Il y en a eu 4,4 gigawattheures d'atteint, donc ça veut dire qu'il y a un résiduel de 2,1 sur lequel on peut travailler effectivement pour la nouvelle période. Et cette nouvelle période 2022-2025 donc, va permettre, en tout cas c'est ce qu'on propose, 17 projets qui ont été identifiés donc, pour à hauteur de 2,1 gigawattheures. On peut citer qu'il y a deux projets effectivement de solaire thermique, 5 projets géothermiques et 10 projets de bois énergie, donc de chaufferie bois. Voilà, donc pour rappeler aussi en quoi consiste l'aide et à qui elle s'applique effectivement, on l'a dit, par délégation donc à Grand Chambéry, évidemment, donc pour déjà organiser tout ce qui est animation, octroi des aides, et puis après, bien sûr, les porteurs de projets bénéficient de l'investissement, mais il y a aussi des budgets liés à l'accompagnement, au suivi et en fin d'opération, au bilan. Voilà, l'objectif pour ce dossier est de présenter 10 projets à hauteur de 1,32 gigawattheure. Et cette délibération, finalement, consiste à faire passer et à accepter donc, de faire passer ce dossier fin avril 2022 pour une signature espérée par l'ADEME en juin, après passage en comité régional d'attribution. Donc, pour ce qui est de la délibération elle-même, vu la délibération 199 du Conseil communautaire du 18 décembre 2019 portant approbation du PCAET, vu la délibération 0-17-22C du Conseil communautaire du 3 février 2022 portant actualisation du projet d'agglomération La Fabrique 2.0, il est proposé au Conseil communautaire, article 1, d'approuver le dépôt d'un dossier de candidature au contrat de chaleur renouvelable dans le cadre des aides déléguées de l'ADEME sur la période 22-25 au cours du premier semestre 2022, et article 2, d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document lié à ce projet. Merci. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Jean-Pierre Fressos. Est-ce que les 10 projets sont déjà identifiés ? Les 10 projets sont identifiés et ils l'ont été en concertation avec toutes les communes. Donc ça a été fait, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la précédente période, il y avait eu une série de projets et ça a été rebeloté. Donc oui, c'est tout à fait possible, effectivement, de revoir et qu'il y ait des revoyures sur la liste des projets, tout à fait. Parce qu'en façon, au fil du temps, comme il y a des études, les études peuvent montrer que certains projets ne sont pas tout à fait intéressants et doivent être abandonnés. Donc oui, c'est tout à fait ouvert. Ouais. Par contre, ce qu'il ne faudra pas changer, il faudra réussir l'objectif en termes de nombre de projets, de gigawattheures, puisque c'est en ça qu'on s'engage avec l'ADEME. D'accord. D'autres questions ? Non. Eh bien, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Je vous remercie. Et on passe à la politique de la ville avec, avec le vice-président Franck Morat qui va venir vous faire cette présentation, l'adoption de la
programmation financière du contrat de ville pour 2022, attribution de subventions aux associations. Juste un petit clin d'œil, vous avez peut-être remarqué sur les rapports 29 et 30, si vous les rouvrez, il y a un petit... on a mis le logo, on a estampillé la fabrique 2.0, en fait, c'est tous les projets qui vont... qui sont en rapport avec notre projet d'agglomération, eh bien, on met une petite pastille pour identifier qu'on rentre bien dans notre projet d'agglomération quand on a à prendre des décisions qui s'y rapprochent. Voilà. On y va. C'est parti pour la politique de la ville. Rapport 31. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de soumettre à votre approbation l'adoption de la programmation financière du contrat de ville pour l'année 2022 et l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale. Alors, pour ce qui concerne la programmation financière, comme vous le savez, Grand Chambéry a signé un contrat de ville le 17 juillet 2015 qui a été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2023. Que notre agglomération intervient au titre de la politique de la ville, bien sûr, en soutien aux quartiers fragiles de l'agglomération, d'une part par un appui en ingénierie, avec une équipe dédiée pour déployer et accompagner les projets de territoire, et d'autre part un appui financier, bien sûr, à travers des subventions en investissement et en fonctionnement. La proposition de programmation financière du contrat de ville a été élaborée autour de trois grands axes structurants. D'une part, valoriser les capacités de développement urbain durable des quartiers, améliorer le cadre de vie des habitants, développer le potentiel des quartiers à travers l'emploi et le développement économique, renforcer l'inclusion et la réussite des habitants pour créer les conditions du vivre ensemble, avec aussi une approche transversale importante qui est celle de la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes et hommes, l'accès aux équipements numériques via le plan de développement des usages du numérique. Ces priorités ont été définies et issues du travail d'actualisation des priorités dans le cadre du contexte, bien sûr, de crise de la Covid-19, d'un travail aussi d'évaluation continue menée par l'équipe projet de la ville, politique de la ville, en lien avec l'État, et puis des remontées de terrain qui ont été effectuées à la fois par les associations et aussi par, bien sûr, les élus. Alors, pour répondre à toutes ces priorités, la programmation financière a été construite sur la base à la fois d'un socle d'action qui fonctionne, déjà construit et qui répond vraiment aux orientations prioritaires définies par le travail d'évaluation à mi-parcours, de conventionnement d'une durée de 2 ans pour une vision à la fois à long terme partenariale et une sécurisation des financements pour les porteurs de projets, et enfin un travail de co-construction de projets tout au long de l'année sur les orientations prioritaires qui sont encore à développer par un travail de terrain. La programmation prend en compte aussi les projets éligibles, bien sûr, qui ont été déposés et prêts à être financés. Il est proposé un financement maximal de cette programmation d'un montant de 477 605 euros qui émanent de la programmation initiale des crédits spécifiques politiques de la ville, bien sûr. Et donc, le détail, bien sûr, de l'ensemble des projets, vous l'avez retrouvé dans le document qui vous a été adressé, ainsi que le prévisionnel des sommes allouées au titre de la ville de Chambéry et de l'État. Ce que je voulais signaler, c'est que cette programmation a été présentée à la commission politique de la ville que j'ai présidée il y a 2 jours et qui a reçu un avis favorable. Voilà pour ce qui concerne cette première partie. Je peux continuer sur l'autre volet, puisqu'effectivement, indépendamment du contrat de ville, notre agglomération soutient également des associations dont le champ d'intervention répond à des enjeux forts de maintien de liens sociaux, d'inclusion, de lutte contre la précarité et des discriminations. Que des demandes de subventions ont été examinées, analysées sur la base de critères. La vérification de l'activité statutaire de l'association, le public bien sûr accueilli, le ressort géographique de l'action, la finalité, l'objectif et bien sûr la complétude du dossier, la demande de subvention, qu'une grille d'analyse a été élaborée et qui reprend les principaux critères. Alors, au titre du budget 2022,
quelques associations ont été retenues et vous sont proposées, avec notamment l'Association départementale pour l'insertion des sourds, l'Association Culture du Cœur, qui est installée, que beaucoup connaissent, à Laravoir, le groupe d'entraide et mutuelle L'Oasis, l'association Le Passage, l'association Tétralyre, l'association également Zycomatique, et enfin la cantine savoyarde, et notamment avec le service petit déjeuner qui est proposé chaque jour pour plus de 80 bénéficiaires. Voilà, donc le montant total de ces subventions est de 26 060 euros. Là encore, ce travail a été présenté à la commission et ce que j'ai proposé, c'est qu'un petit groupe de travail d'élus puisse être associé aux côtés des services par rapport aux dossiers qui nous parviendraient pour qu'ils soient finement étudiés. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est d'une part d'approuver le soutien de Grand Chambéry aux actions au titre de la programmation du contrat de ville, de valider le modèle de convention qui a été joint, bon, qui est une convention pluriannuelle d'objectifs traditionnels avec les porteurs de projets, de solliciter bien sûr tous les partenaires financiers des subventions les plus élevées possibles dans le cadre de la programmation, et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents à intervenir, et enfin de décider le versement des subventions à ces associations œuvrant dans le domaine de la cohésion sociale pour un montant de 26 600 euros. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, une première question, Christian Berthomier. Monsieur Mora, cher Christian. Enchanté. Je lis dans l'annexe 2, sur la programmation contrat de ville en fonctionnement, sur une ligne mission locale jeune, cap vers l'entreprise sans chance, un avis favorable avec un coût prévisionnel de l'action qui est 13 800, crédit spécifique proposé à Grand Chambéry, zéro. C'est la seule ligne où il y a zéro. Et alors on peut être favorable si on met point à rond. Non, ça m'a surpris. Alors, en fait, il y a un financement qui est prévu, mais pas forcément dans le cadre de cette programmation-là, mais c'est la raison pour laquelle ça n'apparaît pas dans la programmation. Voilà, merci. Voilà pour vous donner l'explication, cher monsieur Christian. C'était la seule ligne à zéro et je m'interrogeais. Très bien. Très bien, la réponse était précise. D'autres interventions ou questions ? Non, je peux le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, des abstentions ? Non plus. Eh bien, c'est voté. Merci beaucoup. Merci. À l'unanimité. Oui, j'aurais dû aussi poser la question s'il y en a parmi vous qui siégeait dans les conseils d'administration ou les bureaux de ces associations, et nous le faire savoir pour ne pas prendre part au vote et qu'on puisse le mettre au compte-rendu. Voilà, réfléchissez, vous les avez, hein, vous rouvrez le tableau, là, il y en a quelques-unes. Hein, si c'est le cas, vous nous le faites savoir. Peut-être Aurélie, oui ? Ne prend pas part au vote sur les subventions aux associations ? Aurélie Lemeur ? C'est si vous siégez dans ces instances, hein. Alors, par ailleurs, en tant que président de la mission locale, pense que pareil, je ne dois pas prendre part au vote. Ça, il faut que c'est vous rebondir sur ce qu'a dit Christian. Il faut que vous le déclariez, ça, parce que sinon. Ok. Il y a peut-être Alexandra Turnard. Qui donc ? Oui. Luc Berthoux. On note ? Il y en a d'autres ? Oui, levez la main, ceux qui, s'il vous plaît, qui ne peuvent pas prendre part. Voilà, Aloïs Chasseau, Jean-Benoît Sérine, au frontement. Hein. Voilà. Hein. Non, c'est important. Très bien. Allez, on passe au dernier point de notre ordre du jour. C'est le rapport numéro 32. Ça aurait dû être le vice-président Alain Caracou qui le présente. Je vais le faire à sa place. Ça concerne l'approbation des tarifs applicables à l'occasion des 20 ans de la vélostation. Toujours cette vélostation, je le rappelle, en partenariat
Elle a été créée en mai 2002 en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME. Vous savez où elle se situe, à la gare de Chambéry. Cette vélostation proposait alors, lors de son ouverture, 40 places de stationnement pour vélos gardiennisés et 30 vélos à la location. 20 ans plus tard, donc cette vélostation, elle s'est fortement développée, on l'a déjà dit plusieurs reprises, et aujourd'hui elle offre un service essentiel à tous les usagers, est implantée depuis 2019 dans le nouveau pôle multimodal de Chambéry. Elle dispose à présent de 750 places de stationnement pour vélos en consigne, en gare et dans les abris périphériques, 750 vélos à la location, dont 150 vélos à assistance électrique. Elle réalise également près de 300 animations tout au long de l'année, telles que les contrôles techniques et marquage des vélos écoles, des interventions dans les entreprises et dans les établissements scolaires. Elle participe également aux programmes liés à la santé et aux mobilités solidaires. C'est bien de rappeler tout ça. Voilà, et afin de communiquer auprès d'un large public à l'occasion des 20 ans du service, il est proposé d'appliquer le tarif événementiel qui a déjà été, lui, approuvé par un conseil communautaire précédent du 9 décembre 2021. Donc, je vous propose, donc, le lundi 2 mai 2022, d'appliquer ce tarif événementiel qui est le jour anniversaire de la vélostation. Je vous donne les tarifs. Un vélo classique à la journée, eh bien, il passera de 6 euros à 1 euro. Le vélo à assistance électrique, la journée, on passera de 14 euros à 5 euros. Sur des vélos classiques, pour 5 jours, on passera de 15 euros à 2,50 euros. Et le vélo à assistance électrique, sur 5 jours, on passera de 26 euros à 10 euros. Et de créer un nouveau tarif, qui est le tarif des 20 ans, à 20 euros pour la location d'un vélo classique durant 3 mois, applicable du 2 au 31 mai 2022. Et les autres tarifs applicables au 1er janvier 2022, eh bien, qui avaient été approuvés par nous-mêmes, eh bien, demeureront inchangés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je le mets en vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie et je clôture ce conseil communautaire. Merci pour tous ceux qui sont restés. Merci. Les prochaines dates, prochaine conférence des maires, 21 avril à 18h, avec possibilité de visioconférence. Prochain bureau et conseil communautaire le 2 juin à Chambéry au parc des expositions. On va reprendre le parc. 18h pour le bureau et 18h45 pour le conseil communautaire. Ah, on me dit qu'il y a des changements, donc on vous donnera. Ah, c'est un changement de date le 2 juin. Je vous le dis. C'était prévu, ouais. Pardon. Et on enlève celle du mois de mai. Voilà. Merci, merci et bonne soirée. Allez, à très bientôt. Au revoir.